Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Il veut incarner l'espérance et libérer la France de ses blocages. Emmanuel Macron se lance dans la course à la présidentielle. Une candidature qui, si elle ne faisait plus de doute, ne manque pas de faire vivement réagir. À droite comme à gauche, l'analyse et les réactions à suivre. Et avec l'entrée en scène de l'ancien ministre de l'économie, c'est tout le calendrier pour 2017 qui s'accélère. À la veille du dernier débat, de la primaire, de la droite et du centre. Et le jour où Marine Le Pen dévoile son logo et son nouveau QG de campagne, le débat dans cette édition. La droite sénatoriale demande la suspension du fichier TESS malgré les efforts de Bernard Cazeneuve pour répondre aux interrogations des parlementaires. Philippe Bas, le président de la commission des lois, reste très réservé sur cette immense base de données. Vous l'entendrez dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojec et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous en parlions hier. La droite sénatoriale a décidé de ne pas examiner le projet de loi de finances. Elle juge le budget présenté par le gouvernement insincère, électoraliste et refuse d'en débattre pour montrer de manière inédite son opposition. Jordan Klein. Budget bidon, électoraliste ou maquillé comme une voiture volée. Voilà comment la majorité sénatoriale qualifie le projet de loi de finances pour 2017. Elle compte le rejeter sans même le faire voter grâce à l'adoption d'une question préalable. Les sénateurs n'ont pas à apporter leur garantie, leur caution. Les sénateurs n'ont pas à apporter leur vote à des mesures électorales, qui sont d'ailleurs des mesures sans lendemain, puisque ce budget ne sera pas exécuté, tout le monde le sait. Donc pas de théâtre d'ombre, pas de jeu de rôle. La sincérité des convictions et des réalités. Et pour justifier leur rejet, les sénateurs de droite et du centre mettent en avant plusieurs points. L'envolée de la masse salariale de l'État, qui augmenterait de 4%. Une surestimation des dépenses, 7,4 milliards d'euros supplémentaires en 2017, d'après les élus. Et surtout, une sous-estimation du déficit. Le gouvernement table sur 2,7%. La commission des finances du Sénat est bien plus pessimiste et l'estime à 3,2%. Ce budget, c'est plutôt la haute de Noël du Parti Socialiste et du candidat Hollande, du candidat Valls. On verra bien à l'arrivée qui est candidat. Mais que ça n'est pas un exercice qui permet au Parlement de se prononcer sur des vrais chiffres. Et qu'aujourd'hui, la France est à la traîne au niveau européen. Elle est à la traîne en termes de croissance, elle est à la traîne en termes de déficit. Et donc la copie du gouvernement, finalement, elle est déjà caduque. A l'inverse, la Commission européenne est plus optimiste. Elle voit la France passer en dessous de la ligne rouge des 3% de déficit public imposé par Bruxelles. Un contre-argument pour le gouvernement. Un dernier débat pour clore la polémique sur la création du méga-fichier. Après avoir été auditionné par la commission des lois du Sénat hier, Bernard Cazeneuve est venu abattre ses derniers atouts en séance pour tenter de rassurer les parlementaires. Stéphane Amalian. Après l'audition hier devant la commission des lois, deuxième passage en deux jours pour Bernard Cazeneuve devant les sénateurs. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur s'explique dans l'hémicycle sur le fichier TESS. Un débat qui était réclamé par les parlementaires après la publication du décret en catimini par le gouvernement. S'il y a des modifications apportées, nous les apporterons. La représentation nationale sera informée de ces éléments et elle pourra poursuivre le débat avec nous. Et je modifierai, si c'était nécessaire, le dispositif en fonction des recommandations qui nous sont adressées. Pour certains sénateurs, le gouvernement n'a pas suffisamment approfondi la question. Il existe actuellement des fichiers non informatiques qui centralisent les données des Français, car les menaces de piratage inquiètent. Je pense que le fichier de tous les Français, mettre tous les Français sur un fichier informatique, c'est une menace pour les libertés, menace d'identification, menace de piratage de ce fichier. Et par conséquent, je pense qu'il faut étudier les autres solutions que propose la CNIL ou que propose le Conseil national du numérique. Dans l'hémicycle, le président de la commission des lois, Philippe Bas, a demandé au gouvernement de suspendre la création du fichier. Et on retrouve tout de suite Saveria Rojec qui a suivi pour nous les débats en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, avec ce coup de théâtre inattendu, puisque le président de la commission des lois, Philippe Bas, a demandé au ministre de l'Intérieur de suspendre le décret autorisant la création de ce méga fichier.
Absolument, et Bernard Cazeneuve est en train de lui répondre à l'heure où je vous parle en ce moment. Philippe Bas, qui donc à l'instant vient de demander en tant que président de la commission des lois du Sénat la suspension du fichier, il a évoqué ses craintes, ses grandes craintes à la fois pour les garanties de sécurité mais aussi sur l'efficacité d'un tel fichier. Nous avons besoin de davantage d'assurance, Philippe Bas, qui a finalement donc demandé officiellement la suspension du fichier. Et donc avant lui, c'était donc Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé, qui est revenu sur les garde-fous, les garanties mises en place pour rassurer sur les atteintes possibles aux libertés publiques. Parmi ces garanties, Bernard Cazeneuve a déjà confirmé hier en audition devant les sénateurs la possibilité de s'opposer au transfert des empreintes digitales dans le dossier. Puis après Bernard Cazeneuve, c'est au tour d'Éliane Assassi pour le groupe communiste qui, elle, redit son opposition également ferme et définitive à ce fichier. Un fichier qu'on peut transformer d'un coup de plume en fichier de police. La sénatrice communiste qui, sur la méthode, a parlé de déni de démocratie. Certes, nous avons aujourd'hui un débat public et je vous en remercie, mais un tel sujet aurait mérité un vote du Parlement. Et puis même position pour les centristes qui déplorent et la méthode et le résultat. Pour Loïc Hervé, qui s'est exprimé au nom de son groupe, ce fichier sera incomplet puisque sans certaines empreintes digitales. Même position également puisque les centristes déplorent de ne pas avoir voté sur la mise en place de ce fichier. Puis enfin, Esther Benbassa pour les écologistes, sans surprise, a elle demandé également la suspension de ce fichier. Les garanties que vous présentez ne sont pas suffisantes. On n'a pas le droit de faire un pari sur l'avenir avec tant de légèreté, a déclaré donc la sénatrice écologiste. Voilà donc Delphine pour les débats autour de la mise en place de ce méga fichier. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces explications. On en vient à présent à notre page politique et le calendrier s'accélère dans la course à la présidentielle. Marine Le Pen fera campagne sous le slogan « Au nom du peuple » avec un logo qui risque de faire parler, une rose bleue sans épines. Quentin Calmé. T'as vu, on a laissé les épines au Parti Socialiste. C'est un symbole de la gauche, l'emblème du socialisme. Ce matin, dans son nouveau QG de campagne, Marine Le Pen a dévoilé le logo de sa campagne. La rose, symbole détourné, dévoyé quand même. De la gauche, le bleu, symbole de la droite, ben tant mieux. Voilà, tant mieux si ça doit être le symbole du rassemblement du peuple français au-dessus des vieux partis éculés, des vieux partis qui ont échoué dans les 30 dernières années. Disparue donc la flamme bleu-blanc-rouge, elle n'apparaît nulle part dans ses 240 mètres carrés, dans le très chic 8e arrondissement. Un nouveau QG de campagne rue du Faubourg Saint-Honoré, la même rue que l'Elysée. Alors ici, ce local de campagne, nous l'avons dénommé l'escale. C'est le moment où on s'arrête quelques semaines avant de rejoindre notre destination finale. Ce matin, tous les ténors du Front National avaient fait le déplacement. L'occasion de faire la visite avec Florian Philippot. C'est le bureau de David Rachlin qui est directeur de campagne. Oui, oui. Là, c'est un bureau de secrétariat, d'organisation. Et là, ce sera le bureau de Marine Le Pen. Il est surtout en mode vestiaire là aujourd'hui. La plupart des cadres ont découvert le nouveau logo ce matin. Ils en profitent pour disserter. La rose du Parti Socialiste s'est fanée. Voilà. Et vous savez ce qu'est le fruit, comment on désigne le fruit de la rose. C'est le gratte-cul. Voilà. Et c'est ce qui est resté pour les citoyens français. C'est la rose sans épiner. Bon. C'est la rose dépouillée. C'est la rose en ligne, comme une épée ancestrale en quelque sorte. Hein. Seul bémol dans cette grande opération de communication, elle intervient au même moment que la déclaration de candidature de Emmanuel Macron. Il y a au moins une chose qui est sûre, c'est qu'il ne va pas nous voler d'électeurs. Et on retrouve à présent Tam Tranu en direct de la salle des conférences avec votre premier invité. Cet après-midi, Tam, vous êtes avec le sénateur Front National des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, c'est à vous. Oui, Stéphane Ravier. Marine Le Pen a donc inauguré tout à l'heure son QG de campagne à 1,5 km de l'Elysée. Ça fait déjà parler sur la très chic rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est pas très près du peuple tout ça, non ? Écoutez, le peuple passe aussi par la rue du Faubourg Saint-Honoré, à moins qu'il en soit exclu, à moins qu'on lui interdit de le faire. Une Française est partout chez elle en France. Mais écoutez, ce qui est intéressant de ce positionnement, c'est que au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'aura qu'à faire 1,7 km pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, si j'ose dire, c'est-à-dire l'Élysée, parce que nous sommes là pour ça, pour travailler, pour
faire en sorte qu'elle remporte cette victoire à l'occasion de l'élection présidentielle oui, de l'année prochaine. Vous voyez donc déjà, nouvelle campagne avec un nouvel emblème qui fait parler également la rose bleue, plus de flammes bleu, blanc, rouge. Est-ce que ça y est, définitivement, vous rangez Jean-Marie Le Pen au placard? Mais c'est une élection présidentielle et comme le veut la Ve République, c'est une rencontre entre un homme ou une femme avec le peuple français. Il ne s'agit pas d'une candidate, en l'occurrence, d'un parti politique. Alors c'est peut-être vrai chez nos adversaires, mais nous, il s'agit d'une d'une candidate libre, soutenue bien sûr par le Front National et sans doute par d'autres partis, qui se présente devant les Français avec ce logo, cet emblème de rose bleue. Alors c'est plutôt ce qui représenterait la gauche. Et le bleu, ce qui caractériserait la droite. Eh bien, Marine Le Pen a l'ambition, elle, non pas de rassembler la droite ou de rassembler la gauche, mais de rassembler le peuple français. Mais vous empruntez aux deux, finalement. Nous n'empruntons rien à personne, puisque le peuple n'appartient à personne. Nous l'invitons, nous, à se rassembler au-delà de la droite, au-delà de la gauche, sur les valeurs patriotiques que seule Marine Le Pen défend aujourd'hui. Stéphane Ravier, vous êtes aussi maire du 7e secteur de Marseille, où vous êtes beaucoup remis en cause en ce moment. Il y a eu un grand papier dans Libération aujourd'hui. On vous surnomme le dictateur nord-phocéen, fustige votre amateurisme. Que répondez-vous, détracteur? C'est un papier de Libération, qui est un quotidien qui s'est déclaré depuis longtemps. Mais ceux qui le citent font partie, Adversaire du Front National, oui, il y a 5 ou 6 personnes qui sont parties. Les enfants gâtés de Stéphane Ravier, en réalité, vous savez, la majorité qui compose cette mairie de secteur, eh bien, comporte encore 29 élus. Donc la mairie de secteur travaille au service des habitants des 13e et 14e arrondissements, et elle travaille bien et elle travaille mieux. Tout va bien, donc Stéphane Ravier. Tout va très bien, au-delà de l'agitation médiatique qui est déjà en train de retomber. Ah oui, justement, demain, il y aura encore de l'agitation médiatique puisqu'Emmanuel Macron se rend à Marseille. Que pensez-vous de ce candidat qui vient chambouler la présidentielle aujourd'hui, qui se présente lui aussi comme un anti-système, en tout cas hors du clivage droite-gauche? Emmanuel Macron serait un anti-système, lui qui en est le pur produit, qui est le candidat des banques, puisque M. Hollande est quand même venu le chercher à son guichet de la banque Rothschild. Le libre-échange, l'ultralibéralisme qui a tant fait de mal à notre pays et notamment à Marseille. 25% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Monsieur Macron a une grande responsabilité dans cette situation. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction. Il n'y avait plus aucun doute, mais cette fois c'est officiel, Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé ce matin depuis un centre d'apprentissage de Bobigny en Seine-Saint-Denis. On l'écoute. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire, et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. J'ai fait le chemin de la province à Paris, du monde de l'entreprise à la vie publique, puis à la vie politique. Les responsabilités qui ont été les miennes m'ont fait pleinement mesurer les défis de notre temps. Et toutes ces vies m'ont conduit à cet instant. Et le lieu pour se déclarer a été soigneusement choisi. Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans un centre de formation. La banlieue pour l'ancien banquier, tout un symbole. Samia Deschir, Oriane Mancini étaient sur place. Reportage. Le lieu est symboliquement choisi. Le campus des métiers à Bobigny, en banlieue. Mais dans la salle, pas un seul étudiant n'est convié. Il y a surtout des journalistes. À force de faire durer le suspense sur sa candidature, Emmanuel Macron a réussi à attirer une foule de caméras pour capter la déclaration de l'homme qui se veut au-delà des partis. Après la gauche, la droite, et ainsi de suite, parce que on l'a toujours fait de la sorte. Avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Je suis convaincu que les uns et les autres ont tort. Sur son programme, Emmanuel Macron n'a rien dit de nouveau ce matin.
Pendant une vingtaine de minutes, il a surtout martelé la valeur centrale de sa campagne, le travail. C'est par le travail que nous construisons notre place dans la société. Il n'y a pas de fatalité aujourd'hui à ce qu'un jeune qui vient d'un quartier difficile, comme celui où nous nous trouvons, ne puisse pas trouver d'emploi. Emmanuel Macron a derrière lui plus de 96 000 marcheurs, mais encore peu de soutien d'élus. Or, pour être candidat, il lui faudra réunir 500 parrainages. Il les aura. Et on se battra. Mais il les aura. Vous n'avez pas peur que les socialistes empêchent leurs élus de parrainer Emmanuel Macron ? Bien sûr. Vous savez, quand j'ai vu des consignes de parcevoir Emmanuel Macron dans certaines circonscriptions avec menace de présenter une candidature, bien sûr, ça a été fait par M. Candabadélis qui a demandé qu'il décommande d'être ici avec l'apprentissage. Mais lui, j'en voudrais pas pour être apprenti boulanger, qui reste en politique surtout. Ses lieutenants le savent, la pêche aux signatures sera difficile. Les élus socialistes devront choisir entre l'EPS et Macron, au risque de perdre leur investiture aux législatives. Alors avant d'analyser les enjeux de cette candidature d'Emmanuel Macron à la présidence, vous le savez, c'est le principe de cette émission. On retourne salle des conférences où Tam Tranui nous attend avec Philippe Bas, le président de la commission des lois. On l'a entendu, Tam, il demande eh bien, au gouvernement de suspendre le décret autorisant le fichier TESS. Oui, vous avez décidé de demander la suspension du décret après vos auditions d'hier après-midi de la CNIL, du Conseil national du numérique. Est-ce que vos craintes à ce moment-là ont été confortées ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Les auditions auxquelles nous avons procédé dans un travail que j'espère digne d'une chambre de réflexion qui est aussi l'Assemblée pour la protection des libertés publiques nous ont permis de mesurer l'existence d'un risque que nous ne cernons pas encore bien. Un risque technique ? C'est, de piratage, de détournement de ce fichier ? C'est bien le cas. C'est-à-dire que juridiquement, je crois que les choses sont bien bordées. En revanche, techniquement, nous aimerions en savoir un peu plus long et nous pensons que le gouvernement aurait intérêt à écouter davantage les inquiétudes qui s'expriment et à se donner le temps d'y répondre. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il ne faudra pas faire ce fichier. Vous êtes d'ailleurs d'accord avec les finalités de ce fichier, avec les objectifs. Parce qu'il s'agit de combattre un certain nombre de drames pour des individus auxquels on a volé leur identité. Quelqu'un se présente avec un papier qui est un papier parfaitement légal et fait des dettes qui sont mises à leur charge. Et à chaque fois, c'est une tragédie. Donc il faut sécuriser la délivrance des titres d'identité. Donc nous ne sommes pas hostiles par principe à un fichier, mais nous disons pourquoi cette précipitation alors que des interrogations sur la sécurité de ce fichier, le risque qu'il soit dénaturé dans la pratique ou attaqué, comme on l'a vu pour des fichiers de grandes institutions dans le monde, ces risques n'ont pas été peut-être suffisamment évalués. En tout cas, nous ne considérons pas avoir eu des réponses suffisantes sur l'évaluation de ces risques. Que répondez-vous à Bernard Cazeneuve tout à l'heure qui a dit qu'il avait l'impression d'être en plein procès de Moscou, que quoi qu'il dise, de toute façon, il avait l'air d'avoir tort ? Bon, ça n'est certainement pas le cas. Nous avons, avec le ministère de l'Intérieur, dans beaucoup de domaines, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, de l'état d'urgence, de la loi sur le renseignement, une bonne collaboration dans l'intérêt supérieur de nos concitoyens. Et je ne pense pas que le débat ait donné lieu à des mises en cause personnelles. En revanche, je pense que, au fond, le gouvernement ne doit pas venir à ce débat uniquement pour nous donner des explications, il doit aussi venir pour nous écouter. Et doit écouter au-delà du Parlement l'expression de la société civile et d'un certain nombre d'experts et se donner le temps de bien sécuriser son système. C'est pour ça que j'ai demandé avec d'autres, de droite, de gauche et du centre, la suspension de ce décret. Alors j'ai déjà l'amorce d'une réponse du ministre puisqu'il a dit qu'il allait consulter l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques, que le résultat de cette consultation serait rendu public, qu'il reviendrait devant le Sénat et que s'il y avait lieu, il modifierait alors son décret, ce qui suppose que le décret ne soit pas appliqué jusqu'à ce que toutes ces étapes aient été franchies. Et je considère donc qu'il y a de sa part
une ouverture. Une forme de recul déjà de la part de Bernard Cazeneuve. Je ne veux pas exprimer les choses dans ces termes. Ça n'est pas un combat du Parlement contre le gouvernement, de la droite contre la gauche. C'est la recherche d'une bonne solution pour sécuriser l'identité de nos concitoyens sans mettre en péril leur liberté par un instrument, ce fichier, qui n'aurait pas été suffisamment sécurisé. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction en direct et on continue eh bien, l'analyse de la candidature d'Emmanuel Macron puisqu'elle avait aussi pour objectif de prendre Manuel Valls de vitesse au moment où le Premier ministre cherche à se poser comme alternative crédible au chef de l'État. Rien ne m'affecte, réagit Manuel Valls qui était en déplacement ce matin à l'université de Cergy-Pontoise. On l'écoute. L'exercice du pouvoir, c'est une éthique de responsabilité. C'est savoir tenir bon. C'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif, refuser les aventures individuelles. C'est savoir résister à toutes les pressions, au fatalisme et surtout à tous ceux qui vous disent que rien n'est possible, que c'est difficile, que ça ne se fait pas ou encore qu'on ne peut rien faire de plus. Non, tout cela c'est de l'inertie et le pays ne peut pas l'accepter. Il faut de l'expérience, une expérience qui a été éprouvée par le temps. Il faut de la force et non pas de la légèreté. C'est ce processus quasi laborieux, ce lien avec les Français, cette projection vers l'avenir, la dispensable nécessité de traiter des questions de fond, qui fondent précisément la confiance. Michael Zames nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Michael. Alors vous avez rencontré Emmanuel Macron quelques heures après sa déclaration officielle. Vous étiez avec une poignée de journalistes. Dans quel état d'esprit est-il ? On a surtout rencontré quelqu'un qui semblait avoir réussi son coup. Mais c'est vrai que quand on entend Manuel Valls, on se dit qu'il va y avoir des heures glorieuses dans les prochaines semaines. Ma candidature, dit-il aujourd'hui, vise à contrarier les jeux politiques de droite comme de gauche, cette caste politique. Dit-il, rien que cela. Le timing parfait pour contrarier une primaire de droite ? Réponse, ma volonté est celle d'avoir un impact sur tout le pays. Alors là, pour ce coup-là, on peut dire que c'est plutôt réussi. On a vu un homme plutôt soulagé hein, par cette annonce de candidature, aussi par la gravité du moment. Je sais les sacrifices que ça va impliquer, a-t-il dit ce matin dans son discours. Il a réinsisté à nouveau hein, sur le côté « je suis prêt au sacrifice très personnel ». La première question qu'on lui a posée concerne sa responsabilité en cas d'échec de la gauche. Je ne suis pas responsable de la situation de cette gauche divisée qui ne s'est plus rassemblée depuis le début du quinquennat. François Hollande, j'ai du respect pour la personne et sa fonction. Je suis candidat, quoi qu'il arrive. Notez bien cette phrase, je serai candidat, quoi qu'il arrive, sous-entendu donc, même si François Hollande y va. Impression quand même qu'il tue le père calmement, gentiment, mais que là, il y va franchement. Ma candidature n'est pas une candidature de témoignage ou de ralliement. En même temps, c'est vrai qu'il ne peut plus reculer aujourd'hui, il se jette à l'eau. Alors, peut-il être celui qui fera perdre la gauche ? Ce n'est pas moi qui fais perdre la gauche. Elle a déjà perdu. Constat terrible pour cette gauche. Alors, en fait, est-ce qu'il est comptable, malgré tout, du bilan du quinquennat ? Il a tenu à s'expliquer sur cette position. 2 ans à l'Élysée comme secrétaire général adjoint. Je n'avais pas de responsabilité politique. Ça reste à voir. Et comme ministre, j'assume tout, même les désaccords avec François Hollande, Emmanuel Valls notamment sur la loi travail ou sur la déchéance de nationalité. J'assume tout, ou presque. Je ne suis pas le débiteur de tout le quinquennat. Quelques coups de griffe également encore à Manuel Valls, c'est pour ça que je vous disais qu'on risque d'avoir des semaines agitées. Manuel Valls, sans jamais le citer, hein, mais il a parlé notamment d'une laïcité qui serait devenue laïcisme, ou encore de cet état de droit qui serait réinventé chaque matin. Bref, il y en a eu pour tout le monde, et ça, lui qui avait vu de la vacuité dans la politique, il se sert aussi quand même des artifices politiques pour se venger. Emmanuel Macron, Michael, est-il toujours un homme de gauche ? Oui, mais pas son programme. Ça, il nous le confirme, son projet est progressiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde peut s'y retrouver, de la droite comme la gauche. D'ailleurs, il nous précise que des hommes de droite et de gauche, des élus locaux comme des anciens parlementaires ou des anciens ministres l'ont déjà rejoint. Vous l'avez entendu dans son discours, ni droite ni gauche. Deux partis qui sont obsédés, selon lui, par la rénovation d'un camp, alors que lui, il serait obsédé par la rénovation du pays. Ça, on va l'entendre encore pendant des semaines. Ni droite ni gauche hors du système. Alors, on l'a interrogé sur le Front National et ce risque de division de sa candidature. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir ni à donner. Je ne suis pas sensible aux appels disciplinaires. Là aussi, la gauche n'a qu'à bien se tenir. Il nous a parlé de son programme, bien entendu, basé sur le travail, l'investissement et notamment sur l'école. Il va le décliner dans les prochaines semaines et dès demain à Marseille, lors d'un déplacement.
peu d'inquiétude sur ses parrainages. Il est persuadé d'avoir ses signatures. Aujourd'hui, donc, Emmanuel Macron, on peut dire qu'il avait avec lui des élus, des bénévoles, des amis autour de lui, près de 150 personnes dans un QG de campagne qui fait pas loin de 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, en quelque sorte, c'était le jour 1. Pour le reste, ben on verra demain. Merci beaucoup pour ces précieuses informations, Mickaël. On continue notre décryptage de cette annonce d'Emmanuel Macron avec Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences, avec Barry Zakhari, sénatrice socialiste de Paris. Elle fait partie de ces délégués qui entourent le nouveau candidat à la présidentielle. Oui, Barry Zakhari, vous soutenez Emmanuel Macron. Justement, eh bien, pourquoi les parlementaires, les soutiens d'Emmanuel Macron n'étaient-ils pas là lors de sa déclaration de candidature ce matin? D'abord un mot sur la candidature. C'est un peu d'espoir dans cette grisaille de l'offre politique, parce que je pense que les Français en ont assez de tous ces redoublants qui ont fait la preuve de leur échec dans la conduite des affaires. Maintenant, je vais répondre à votre question. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'enthousiasme. Cette candidature réveille des choses formidables. Pourquoi il était entouré avant, après, mais pas pendant cette déclaration. Alors, il ne l'a pas souhaité. Il a voulu aller seul face aux Français pour faire cette déclaration. On a été nombreux, ne fût-ce que pour l'image, rester à ses côtés pendant cette déclaration de candidature. Il n'a pas voulu. Il a voulu être seul face aux Français, face à cette force française, face à l'imaginaire français. Il a voulu être seul. Donc c'est un choix. N'est-ce pas regrettable quand même, vous le disiez, hein, cette image, puisque justement il n'y a pas eu une ferveur, qu'il y a souvent des applaudissements lorsqu'il a fait cette annonce, mais il y avait eu 200 journalistes accréditant tout de même la thèse d'une créature médiatique. Alors pas du tout, moi je ne pense pas du tout, parce que dans tous les meetings vous voyez la ferveur, hein, dans tous les meetings vous, verrez, vous voyez la ferveur et vous la verrez prochainement, hein, puisque le 10 il y a quelque chose. Mais encore une fois, c'est son choix, il a voulu aller seul devant les Français et il ne fait rien comme les autres. Il faudra que vous vous y habituiez. Alors Emmanuel Macron justement est accusé par la gauche de la détruire, de détruire la gauche, qui estime que seul le rassemblement est possible pour sauver la gauche à la présidentielle. Que répondez-vous à ces détracteurs? Alors je réponds que la gauche n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour la détruire. Elle s'est autodétruite seule durant ce quinquennat, donc vraiment il n'y est pour rien dans ce qui se passe à gauche actuellement. Je pense que les tenants de la gauche devraient se poser eux-mêmes des questions sur ce qui se passe actuellement. Et puis Emmanuel Macron n'est pas là pour rassembler la gauche, tel que l'a dit par exemple François Hollande, il n'est pas là pour rassembler la gauche, il est là pour rassembler tous les Français. Et c'est au-delà de rassembler la gauche. Mais vous le dites, hein, il n'est pas là que pour rassembler la gauche. D'ailleurs il y a eu des réactions à droite, il bouscule aussi la droite. D'ailleurs Alain Juppé l'a traité de traître et de ringard, ce qui montre bien que sa candidature va peut-être compter sur les voix de droite. Qu'en pensez-vous? Alors je pense que Alain Juppé a tort d'être aussi insultant vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'en est expliqué avec le président de la République. Il n'est pas son obligé. Il l'a appelé parce qu'il avait des compétences. Et c'est ces compétences qu'il a mis à notre service pendant un moment. Donc pour moi, il n'y a pas de trahison. La trahison serait une trahison vis-à-vis de la France et vis-à-vis de ses idées. Et je pense qu'Alain Juppé ferait mieux de faire un peu attention à son vocabulaire. Justement, vous disiez qu'Emmanuel Macron ne fait rien comme personne. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être défini comme un homme de gauche qui n'a pas un programme de gauche? Alors, Emmanuel Macron dit qu'il est de gauche, puisque, vous savez, on est tous un peu familialement ou de droite ou de gauche. Lui, il a baigné dans un univers de gauche et il s'en réclame. Maintenant, il dépasse ça parce que la situation l'exige et qu'il faut rassembler les gens. Il faut être positif. Il est porteur d'un programme de transformation positive pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Barry Zakhari, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction. Alors, à gauche, cette entrée en campagne a aussi fortement fait réagir imposteur, candidat des médias. Beaucoup jugent sa démarche contre-productive. Écoutez. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Maintenant, pour la gauche, il n'est pas notre candidat. On connaît son parcours. Moi, je suis juste un petit peu étonné. C'est que, écoutez, est-ce que vous pouvez entrer dans une entreprise et au bout de deux ans, dire au PDG, je vais devenir PDG à ta place ? Sans expérience, sans avoir fait ses preuves. Donc moi, on m'interpelle à chaque fois. Il a fait des propositions sur le social, sur les 35 heures notamment. J'entends des journalistes brillants nous parler de son charisme, de la modernité. Alors écoutez, si un avantage politique c'était d'être nouveau et moderne, Bruno Le Maire serait dimanche 27 élu par la primaire de droite. La candidature d'Emmanuel Macron, ça change la donne. Ça change la donne d'abord à gauche.
pour la première fois de l'histoire de la Ve République, peut-être qu'un président sortant ne va pas être en mesure de se présenter. Et puis on va avoir d'autres candidatures qui peuvent émerger. Vous pensez que ça empêche François Hollande de se présenter ? En tout cas, je pense que vous pourrez lui demander, ça doit sacrément le gêner aux entournures. Et puis ça bouscule les choses aussi à droite. Enfin, la primaire de la droite, c'est pas hors sol. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, il faut retenir la date du 16 novembre. C'est une date historique. C'est la fin du quinquennat de François Hollande. Voilà. C'est Brutus qui tue César. Non seulement François Hollande est en situation d'échec politique sur beaucoup de sujets, mais ça, c'est la fin. C'est l'homme le plus proche de lui, celui qui a conçu son programme économique, qui par ailleurs, d'ailleurs, est cause de beaucoup de difficultés et de catastrophes dans le pays. Il y avait deux hommes qui étaient à l'origine du programme économique de François Hollande. Il y avait Emmanuel Macron et M. Cahuzac. C'était les deux conseillers économiques de François Hollande. Le fait qu'il le quitte aujourd'hui, c'est pour François Hollande la fin de son autorité. J'ignore qui est Emmanuel Macron, quelles sont ses orientations. Il lui-même se définit ni droite ni gauche. Pour moi, il est un peu comme M. X. Il a une équipe de campagne très étoffée. La quasi-totalité des magazines, beaucoup d'organes de presse. C'est le candidat des médias ? C'est le candidat des médias. Il reste à démontrer qu'il a des propositions pour transformer le pays. Donc je lui souhaite bonne chance. Et on ouvre tout de suite le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Patria, bonsoir, sénateur socialiste de la Côte d'Or. Vous êtes un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. Pierre Médevielle est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes sénateur UDI-UC de la Haute-Garonne. Vous avez apporté votre parrainage à Alain Juppé dans la campagne pour la primaire de la droite et du centre. On va en parler dans un instant. J'accueille également Yannick Vaugrenard. Bonsoir, sénateur socialiste de la Loire-Atlantique. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette candidature d'Emmanuel Macron. Et sur ce plateau, enfin, Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, vous soutenez François Fillon dans la campagne pour la primaire de la droite. François Patria, un mot sur les critiques qu'on a entendues très acerbes à la fois de la gauche mais aussi de la droite sur la candidature officialisée aujourd'hui à la présidentielle d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est prêt à endosser la responsabilité historique, c'est ce qu'a dit Benoît Hamon, eh bien, de ne pas voir la gauche au second tour en 2017 ? On n'en est pas là aujourd'hui. Le procès pour celui qui tuera la gauche, on verra. Mais pour l'instant, je me dis, quand j'écoute vos interlocuteurs, les commentateurs, je me dis, mais pourquoi tant de haine ? Attendez, si Emmanuel Macron dérange tant, c'est qu'il est redouté. Et s'il est redouté, c'est que c'est dans la politique un personnage nouveau, qui a des convictions, qui a une vision, qui a une démarche, qui s'y tient aujourd'hui et qui mobilise. Quand vous avez, comme ce matin, 200 journalistes accrédités pour aller voir un candidat qui n'existe pas, pas expérimenté, qui ne connaît rien, qui n'a rien fait, qui a échoué. Quand il y a 200 journalistes accrédités pour aller le voir le matin, je me dis, alors là, à la fois, pourquoi tant de haine et pourquoi tant de déplacements ? Ouais. Donc ça veut dire que, malgré tout ce qu'on dit, si Emmanuel Macron aujourd'hui mobilise, c'est parce qu'il est redouté. Et il est redouté parce qu'il voit loin et qu'il ira loin. Voilà. Philippe Dallier, on voit bien qu'effectivement la grenade Macron est dégoupillée, elle est dangereuse aussi bien pour la droite à quelques jours de la primaire, du premier tour. Je pense qu'il n'y a pas... Non, franchement, je ne le pense pas. C'est d'abord un problème pour le président de la République. Chacun comprend bien qu'avec Jean-Luc Mélenchon, un candidat écologiste, Emmanuel Macron et éventuellement François Hollande ou Manuel Valls, c'est le 21 avril 2002 qui va se répéter, à l'évidence. Mais au-delà des questions de personnes, ce que cela met en évidence, c'est la fracture idéologique de la gauche. On l'avait déjà vu dans la période récente. Il y a ceux qui soutiennent le Premier ministre et le Président de la République pour des réformes qui ne vont pas assez loin, et puis de l'autre côté, ceux qui n'en veulent absolument pas. Et le principal problème de la gauche, au-delà des problèmes de personnes, c'est d'abord cette fracture idéologique. Oui, c'est encore un homme de gauche, Yannick Vaugrenard, selon vous, Emmanuel Macron ? Notre conversation débute et je ne fais pas partie du club des supporters de qui que ce soit. Je fais partie de ceux qui défendent des idées, avant tout. Et aujourd'hui, ce qu'attendent les Françaises et les Français, dans le cas de ces élections présidentielles, c'est savoir comment nous allons faire, comment les candidats vont faire également, pour faire qu'il y ait moins de souffrance dans notre pays et plus d'espérance. C'est ça le but. Nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont dans la crainte de leur propre avenir. C'est aussi le message qu'a voulu faire porter peut-être Emmanuel Macron donc, ce matin, écoutez, un message d'espérance. Dans le même temps, j'ai vu que le Premier ministre parlait de la nation éducative, de l'éducation, de l'importance de l'éducation pour essayer de surmonter les inégalités de notre pays, et donc en allant au fond des choses et non pas de manière superficielle en quelque sorte. Donc pour répondre à votre question sur la candidature d'Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas un scoop.
Parce que depuis le mois d'avril, quand même, nous l'attendions. Donc voilà, moi je considère que c'est un non-événement. Ensuite, quelles répercussions ça pourra avoir au niveau électoral, nous le verrons. Mais ce qui importe aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, c'est pas de faire des commentaires sur les commentaires, c'est de savoir quelle est l'espérance que nous pouvons offrir aux Français dans le cas des élections présidentielles. Et elle n'est pas du côté d'Emmanuel Macron, si je comprends bien ce que vous me dites. Je suis du côté des idées socialistes. Alors, Pierre Médevielle, une réaction, puisque je parlais avec cette image de, finalement, grenade dégoupillée qui pourrait aussi faire des ravages à droite. Est-ce qu'il peut venir, Emmanuel Macron, grignoter bien un petit peu les électeurs, les voix d'Alain Juppé, par exemple ? Écoutez, nous aurons la réponse dimanche, je pense. Mais enfin, bon, on fait le buzz, il faut bien faire le buzz. On parle de fin de quinquennat, de François Hollande. On a parlé des 10 ans d'anniversaire de déclaration de candidature au Ségolène Royal aussi. Mais comme disait M. Vaugrenard, bon, nous sommes loin d'une surprise. On voit ces candidatures venir depuis longtemps. On ne savait pas si c'était en marchant, trop ou en galopant. Mais enfin, on s'y attendait. Je crois que c'était prévu de longue date avant les fêtes. Non, nous sommes dans une primaire de droite, dans la dernière ligne droite, où nous essayons tous de mobiliser nos troupes, et que ça a une influence, oui, certainement, mais pas énorme à mon avis. Ouais, il ne va pas empiéter damer le pion chez les centristes. On sait qu'à un moment donné, bien Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, avait dit qu'il faut dialoguer, justement, peut-être tendre la main à Emmanuel Macron. Mais le centre est en pleine recomposition, ce n'est pas un secret d'État. C'est sûr que nous avons rencontré tout le monde, nous sommes là pour ça aussi. Mais bon, l'avenir nous dira c'est avec qui nous travaillons. Pour le moment, nous avons choisi notre camp, c'est le centre droit. Et nous sommes assez clairs sur cette position. François Patriat, on voit bien que le timing ne doit rien au hasard. Effectivement, cette déclaration de candidature, à un mois finalement eh bien, de la date limite que s'était fixé aussi François Hollande, date limite aussi pour faire part de sa volonté de participer à la primaire de la gauche. Est-ce qu'il peut aussi eh bien, jouer les troubles faits à droite, selon vous ? J'écoutais ce que disait Yannick à l'instant. Il disait « je défends les idées socialistes ». Moi, je défends les idées progressistes. Je pense que nous sommes sur un marché qui est ancien. Ce ne sont plus les mêmes, politiquement, selon vous. Marché qui est ancien. Celui qui dit on ne peut rassembler que la gauche, on ne rassemblera jamais la gauche. Y compris ceux qui sont amis de Yannick et ceux qui sont plus à gauche que lui. Vous ne recomposerez jamais la droite, entre la droite et l'extrême droite. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau champ qui s'ouvre parce que les Français l'attendent. Pas non plus. Parce que la responsabilité politique aujourd'hui, elle doit être assumée par un peuple qui dit aujourd'hui je ne comprends plus rien à la politique avec ses quant à soi, avec ses cercles, avec ses familles, avec ses partis qui ne fonctionnent plus. Donc moi je suis pour les idées progressistes, rassembler les progressistes de droite comme de gauche. Et moi je vous renvoie ce matin à la parole d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour rassembler la gauche ou rassembler la droite. Je suis là pour rassembler les Français. C'est un discours un peu gaullien. Et avec Emmanuel Macron qui se dit de gauche, oui, ça a une connotation gaullienne, je le dis. Ça fait sourire Yannick Vaugrenard. Mais tout ce que dit Emmanuel fait sourire aujourd'hui. Voilà. Seulement, quand j'entends mes amis parlementaires pour qui j'ai du respect et de l'amitié, le problème c'est que vous n'entendrez jamais nous attaquer qui que ce soit. J'entends les attaques acerbes, j'entends aujourd'hui les critiques, mais nous n'attaquerons jamais personne. Parce qu'avec Emmanuel Macron, nous faisons de la politique en positif. Donc, ce schéma-là, autrement, il dérange. Emmanuel Macron dérange. Et on me disait au mois de juin, mais pourquoi on tirerait sur Macron ? On ne tire pas sur l'ambulance. Il est déjà mort. C'est une bulle médiatique. Ça ne tiendra pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps. Est-ce que vous, sans précédent, quand même, dans l'histoire de la Ve République que je connais, un homme qui, en 7 mois, réussit à créer un mouvement qui a 100 000 adhérents, on va me dire il ne paye pas, il y a 100 000 adhérents. Depuis ce matin, c'est par dizaines qu'ils adhèrent aujourd'hui, qui créent ce mouvement aujourd'hui. Est-ce que c'est innocent dans la politique que ça doit être passé pour pertes et profits ? Je ne le crois pas. Alors Yannick Vaugrenard, et ensuite je vous demande la parole. Je constate l'enthousiasme de François. Je crois qu'il faut raison garder. Je ne sais plus qui disait, tout ce qui est excessif est insignifiant, mais ça peut l'être. Donc il faut faire attention dans la période que nous traversons, qui est difficile, délicate, où il ne faudra pas mentir aux Français. Il est insignifiant, Emmanuel Macron. Non, du tout, je n'ai jamais dit cela. Il ne suffit pas de constater, encore faut-il proposer. Et donc nous attendons les propositions d'Emmanuel Macron comme les propositions de d'autres. On en connaît un certain, sur l'éducation, sur le social, c'était déjà dévoilé la semaine dernière. Pour gouverner, il faut de l'expérience. Il ne faut pas seulement de l'ambition.
L'ambition, c'est utile, ça peut être nécessaire, mais il faut de l'expérience. Il faut avoir été élu, il faut avoir eu la confiance des électeurs, parfois localement, parfois au niveau départemental. Nous tous, autour de la table, nous avons des expériences locales, maintenant un peu plus nationales. Et dans la période que nous traversons, véritablement, il faut avoir acquis de l'expérience pour pouvoir être solide, en quelque sorte, face aux combats difficiles auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas de sentiment aujourd'hui que ce soit le cas du candidat Emmanuel Macron, c'est tout. Mais après, il y aura des débats, il y aura des discussions, il y aura des échanges. Et puis, comme est-ce que vous l'appelez Emmanuel Macron à se ranger dans la primaire de la gauche? Moi, je n'appelle rien du tout. Je souhaite que nous ayons un débat clair, cohérent, transparent, qui permette aux Français de choisir. Mais par exemple, je termine là-dessus. Mmh. Les candidats primaires de la droite sont également divisés sur un certain nombre de sujets qui sont considérablement importants. Ainsi, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont moins d'accord sur un point, c'est de supprimer 300 000 fonctionnaires, alors que François Fillon propose d'en supprimer 600 000. 500 000. 600 000. 500. Et donc, 500 000, ça change tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons supprimer des infirmiers et des infirmières, que nous allons supprimer des policiers, que nous allons supprimer dans le domaine de la santé également, je viens de le souligner. Ça n'a pas de cohérence. Donc entre ce qui est dit, ce qui est déclaré et la réalité des choses et de ce qu'il faudra faire, il y a parfois une marge qui est considérable. Donc les divisions, vous l'évoquez actuellement, dans le camp des hommes et des femmes de progrès, il se trouve qu'il y a aussi des socialistes dans ce camp-là, mais dans l'autre camp en face, les divisions sont extrêmement importantes et parfois l'exagération atteint véritablement des sommets dans les propositions. Alors Philippe Dallier, peut-être une réaction et aussi voir... Écoutez, sur l'écart programmatique entre les trois principaux candidats de la primaire de la droite et du centre, honnêtement, effectivement, on peut discuter du nombre de fonctionnaires qu'il ne faudrait pas remplacer, et pas seulement de fonctionnaires, il y a aussi tous les contrats. C'est ce dont parle François Fillon. Je pense que l'écart entre ces candidats-là et l'écart qui existe aujourd'hui au sein de la gauche, et notamment la gauche socialiste, ça n'a strictement rien de comparable. On l'a vu sur la loi travail. On sait bien que si on avait donné à Emmanuel Macron ce texte, on sait pertinemment, et vous savez aussi, que ce qu'il en aurait fait, ça n'est pas ce que Manuel Valls en a fait, et encore moins ce que les frondeurs voulaient en faire, c'est-à-dire le supprimer purement et simplement. Vous avez un énorme problème idéologique, au bon sens du terme. Vous n'êtes plus d'accord sur l'essentiel. Et la question de l'existence du PS est en jeu. Alors effectivement, Emmanuel Macron arrive là un peu comme un ovni politique, et en quelques mois, il arrive à préempter le débat à gauche. C'est le problème du Parti Socialiste aujourd'hui. Mais quant aux écarts qu'il peut y avoir entre nos candidats, honnêtement, ça n'a strictement rien de comparable. Philippe Dallier, est-ce que l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron pourrait profiter à François Fillon, justement? Écoutez, ce que l'on constate depuis un certain nombre de semaines, et moi je le voyais sur le terrain avant que les sondages ne le démontrent, c'est que le programme le plus cohérent, le plus abouti, c'est celui de François Fillon. Donc Alain Juppé a bénéficié pendant longtemps d'un rejet de la candidature de Nicolas Sarkozy, et c'est pour ça qu'il a, j'allais dire, il ratissait très large. Aujourd'hui, les choses sont en train, la brume est en train de se dissiper, et notre électorat est en train de se dire qu'effectivement, il y a la possibilité de voter pour un vrai problème, un vrai programme de rupture et de redressement du pays. C'est celui que porte François Fillon, et je pense qu'on le verra dans les urnes de dimanche. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors Emmanuel Macron ou pas Emmanuel Macron, je pense que pour notre électorat, ça ne changera strictement rien. Pierre Médevielle, on le disait, hein, Emmanuel Macron invité, surprise de la primaire, si Alain Juppé ne la remporte pas, cette primaire, les centristes pourraient se rallier à une candidature d'Emmanuel Macron? Nous n'envisageons pas la défaite d'Alain Juppé. Il y a un moment que nous travaillons à lui, on a évoqué les corpus idéologiques de nos formations qui sont en train de bouger. Nous ne jouons plus à deux, nous jouons à trois et pourquoi pas à quatre maintenant. Ça risque d'être un tableau assez étonnant. Mais je crois qu'Alain Juppé a eu la sagesse et l'intelligence de vouloir élargir son socle, de vouloir gouverner avec le centre, ce qui n'a pas été le cas des autres candidats. Nous avons saisi cette perche. Nous faisons un programme pour la France. Nous ne ferons pas, comme le gouvernement actuel, un programme idéologique où on se prend les pieds dans les tapis à chaque texte de loi. Nous ferons un programme pour la France qui est malade. Cette France qui est malade a besoin d'un programme. Et nous ferons des concessions idéologiques parce que nous ne serons pas d'accord sur tous les points. Ce n'est pas possible. Même au sein d'une même famille politique, il y a toujours des divergences, il y a toujours des lignes de fracture. Donc la priorité, c'est la France. François Patria, c'est vrai que si Alain Juppé remporte la primaire de la droite, ça offre moins d'espace finalement pour la candidature d'Emmanuel Macron. Je pense qu'en se décidant aujourd'hui, Emmanuel Macron a choisi de dire qui que ce soit, le projet que je vais construire, la force que je vais engager, je ne crains personne. Qui que ce soit, je ne crains personne et je tracerai mon chemin jusqu'au bout. Sur l'expérience, Yannick,
Moi, je veux bien qu'on parle d'expérience. Mais si ceux qui ont de l'expérience avaient réussi, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Parce que ceux qui ont de l'expérience aujourd'hui, ils ne sont pas plébiscités par les Français. Donc l'expérience, c'est bien, mais ce n'est pas un gage de réalisme et d'efficacité aujourd'hui. Ouais. Yannick Vaugrenard, sur cette question de l'expérience, oui. C'est vrai que, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les États-Unis, mais finalement, un candidat comme Donald Trump, alors les parcours sont différents, mais est arrivé aussi à accéder au pouvoir. Je vous laisse la responsabilité de la comparaison. Mais on remarque sans avoir eu de mandat électoral auparavant. Par rapport à Donald Trump, il risque effectivement politique. Chez nous, il y a une trumpisation, en quelque sorte. Et ça n'en garde pas. Ce serait plutôt à droite de notre vie politique. Il faut être extrêmement prudent entre ce qu'on dit pendant la campagne électorale et ce que la réalité... Ça, vous l'avez payé cher, oui. Il y a au moins un certain nombre de points sur lesquels, François, moi, nous sommes d'accord. Et je suis sûr qu'au bout du compte, nous nous retrouverons. J'en suis persuadé. Parce qu'il y a un corps idéologique qui nous rassemble. Il y a une histoire qui est là et qui est extrêmement forte. Mais simplement... regardez ce que nous avons fait sur l'éducation. Je ne dis pas que le bilan a été parfait et exemplaire et qu'on aurait pu faire les choses mieux sur tel ou tel domaine. J'en suis convaincu, bien sûr. Mais nous avons créé 60 000 postes dans l'éducation nationale. Alors que les autres, nos adversaires d'aujourd'hui, en avaient supprimé 80 000. Emmanuel Macron veut aussi, propose aussi des solutions pour lutter contre l'autonomie des établissements scolaires. C'était une de nos propositions d'ailleurs. Le problème, comme c'est quoi, pas il rassemble aussi bien à droite qu'à gauche. De l'autonomie des établissements, c'est de savoir quel financement on met en face et quels sont ceux qui payent en quelque sorte. Il y a dans notre pays des hommes et des femmes, je le disais tout à l'heure, qui sont en souffrance, qui sont en situation de pauvreté, qui craignent pour leur avenir, et il y en a qui s'en mettent plein les poches. Je suis désolé. Et donc c'est ceux qui s'en mettent plein les poches qui doivent donner un peu plus pour permettre justement plus de solidarité et plus de fraternité. Si Emmanuel Macron est allé dans mon département, en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, dans un centre de formation, un centre d'apprentissage, ça n'est pas pour rien. C'est bien pour démontrer, j'allais dire, par ce symbole, qu'effectivement vous aviez échoué dans ce domaine-là. Regardez les chiffres du chômage, regardez le taux de chômage pour les jeunes et notamment pour les jeunes de ces quartiers. La gauche en 2012, vous aviez fait de belles promesses aux jeunes des quartiers. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc dire que vous êtes d'accord sur un certain nombre de choses, honnêtement, moi quand j'entends Emmanuel Macron, je vous plains parce que recoller les morceaux, imaginons que vous vous mettiez d'accord effectivement pour limiter le nombre de candidats, mais sur quelle plateforme de gouvernement aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est possible. Et reprenez l'année passée à l'Assemblée nationale, encore plus qu'au Sénat. Vous n'êtes plus d'accord sur rien. Emmanuel Macron n'a plus rien à voir avec le Parti Socialiste issu du Congrès d'Épinay en 71. Même version, François Hollande ou Manuel Valls. Ils ne l'ont pas laissé aller où il voulait aller. C'est pour ça qu'il est parti. Vous avez un vrai problème idéologique, ce que nous n'avons pas. Voilà. Maintenant, sur le populisme et sur Trump, ce problème-là, il est posé à toute la classe politique, enfin, des deux côtés de la table ici. Et je pense que nous devons y faire attention parce qu'au soir du premier tour, il se pourrait bien que Marine Le Pen soit en tête. Effectivement, c'est ça qui devrait nous préoccuper. Il est posé, justement, me semble-t-il, un peu plus de votre côté que du nôtre, parce qu'il y a quand même quelques clins d'œil qui sont faits à Marine Le Pen. Je pense en particulier à la candidature de Nicolas Sarkozy, et cela ne nous atteint absolument pas. Par contre, ce que... Mais je parlais de l'électorat, vous savez, je ne parlais pas des appareils politiques. Mais moi, je parle de l'électorat également. Qu'attendent-ils de nous ? Regardons le taux d'abstention qui grandit sans cesse. Regardons aussi les votes qui sont des votes de désespérance qu'il faut entendre aussi en direction de l'extrême droite. Donc le drame, de toute manière, ce serait qu'au second tour, il y ait le risque de voir la droite traditionnelle face à l'extrême droite. C'est ce qui va se passer. Ou éventuellement la gauche et l'extrême droite, avec un risque de voir l'extrême droite gagner. Et moi, je ne le veux pas pour mon pays, parce que ce serait un drame pour l'ensemble de nos concitoyens. François Patriat, Emmanuel Macron comme rempart au Front National, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur Moi, on peut me taxer de fascination. Moi, je taxe mes amis, pour lesquels je n'aurai jamais aucune agression, de résignation. Le seul homme politique qui, aujourd'hui, ne se résout pas à accepter l'idée que Marine Le Pen soit au deuxième tour et qu'il suffit d'être deuxième pour être élu, c'est Emmanuel Macron. Il l'a dit très fermement il y a 15 jours dans un meeting que nous avons fait à Paris avec les cadres. Ne pas se résigner aujourd'hui. Et pour ne pas se résigner à ça, il ne faut pas parler aux appareils politiques. Les politiques parlent aux politiques pour essayer d'avoir des supports tous les jours. Emmanuel Macron, il parle au peuple. Il dit voilà, je veux une France où les énergies réussissent et où ceux qui sont en difficulté soient protégés. Et il parle au peuple. Et moi, je l'entends parler au peuple et j'entends ce discours aujourd'hui. Que les autres, on est toujours dans les affaires d'appareils. Et quelles alliances ? Mais l'union de la gauche, Yannick, telle qu'on l'a connue, elle est morte.
L'Union de la droite, elle est morte aujourd'hui aussi. Et ce n'est pas le discours de M. Bayrou ou d'autres qui vont échanger quelque chose. Donc, il faut trouver une autre majorité en France que ces blocs, bloc à bloc, et l'opposition. Ce renvoi de la gauche à la droite, cette alternance automatique, Emmanuel Macron, il représente, ce n'est pas le bon mot, mais face à l'alternance obligée, une alternative politique qui peut être crédible. Alternative, ça veut dire une autre façon de faire de la politique, une autre façon de proposer les dossiers, une autre façon de traiter les gens, de traiter le peuple aujourd'hui, de les traiter bien, je veux dire, en ce sens, de l'écouter, de répondre aux attentes, c'est ça qui le différencie. Donc, ce combat gauche-droite, dont on ne veut jamais sortir aujourd'hui, il est stérile. Et la différence qu'il y a entre l'action d'Emmanuel Macron et celle des partis aujourd'hui, c'est que les partis classiques auxquels j'appartiens, la majorité, moi j'ai soutenu le gouvernement, je ne critiquerai jamais le chef de l'État. C'est pour ça, est-ce que vous tendez la main aux centristes aujourd'hui, François Patriat ? Vous tendez la main aux centristes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je tends la main aux progressistes de tous les partis, qu'ils soient centristes, d'anciens chez les Républicains ou ailleurs. Et je vois aujourd'hui, vous savez, tout à l'heure, j'ai un maire Front National du département de la Côte d'Or qui vient de mettre un SMS en me disant « Je me suis trompé, est-ce que je peux parler avec vous ?» Alors, ce dépassement du clivage traditionnel, justement, gauche-droite, est-ce qu'il n'est pas incarné, justement, par Emmanuel Macron et pourrait séduire, justement, des Il a été inventé par François Bayrou à une époque, je crois que ce n'est pas nouveau comme idée, de rassembler les centristes, les démocrates, les républicains. Ce n'est pas nouveau, c'est ce qu'essaie de faire Alain Juppé en ce moment, avec un certain bonheur, je trouve, puisque les familles centristes, qui étaient légèrement divisées, se sont ressoudées autour de la candidature d'Alain Juppé. Aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas assez parlé du Front National, qui va être un terreau de plus en plus fertile. Bon, la situation, on ne va pas épiloguer sur les chiffres, mais on a un président à 4% de popularité, un chômage qui explose, une dette qui... C'est injuste. C'est injuste. Parce que le bilan de François Hollande n'est pas celui que j'entends tous les jours. Il est plutôt positif dans le domaine social et dans le domaine économique. Ça fait bien de voir qu'il y a des gens qui le trouvent positif. Enfin, moi, je vois des Français qui souffrent, je vois des chômeurs, des entreprises. Vous défendez le bilan de François Hollande, puisque Emmanuel Macron en est aussi quelque part comptable, peut-être, François Patriat. Je pense aussi. C'est ce bilan qui justifie. Il faut mesure pour les jeunes, entendez. Non, mais ouais, Emmanuel Macron a été ministre dans le gouvernement de François Hollande. Il a pu juger les difficultés avec son projet de loi Macron. J'étais au groupe spécial d'études. Bon, on devait libérer l'économie, la croissance. On n'a pas libéré grand-chose, quand même. Il n'y a pas que les On a libéré les bus. Non, pas du tout. On avait une loi, Jacques Attali d'ailleurs, qui est de votre famille de pensée, a dit que ces trois volumes énormes pourraient libérer à peu près 1% de l'économie française, mais que ça ne représentait rien du tout par rapport au choc de simplification. Loi Macron, La loi Macron, il fera le débat, si vous voulez, sur grandeur et force de la loi Macron, et vous verrez que dans les mesures qui ont été prises, et il a pris aujourd'hui 80 décrets qui ont été pris sous le ministère d'Emmanuel Macron, qui touchent tout, l'investissement terrien pour les agriculteurs. L'amortissement dans la loi Macron, le suramortissement. Allez, on parle aux agriculteurs. Vous demandez ce que demande les Français en fin de mandat. Tous en même temps. Yannick Vaugrenard, et ensuite je vous donne la parole. Il y aura toujours dans une démocratie des partis politiques. La démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, disait Winston Churchill. C'est pas la fin des partis politiques, on ne peut plus faire sans les partis, selon vous. Il faudra toujours des organisations qui permettent d'être des éléments de réflexion, que cela soit plus élargi à nos concitoyens pour rénover la vie politique au sein des partis politiques ou des partis politiques nouveaux. Pourquoi pas, bien sûr. Mais quoi faire d'autre que une organisation politique pour pouvoir réfléchir, confronter ses idées, ses opinions, sélectionner, y compris ceux qui nous représenteront. Je ne vois pas d'autre système que celui-là. Sinon, c'est le système de l'Empire. Donc, une fois qu'on a dit cela, je suis d'accord pour constater que trop souvent, à gauche ou à droite ou au centre, il y a parfois des clivages qui sont factices. À partir du moment où nous sommes élus partisans d'une majorité ou d'une minorité, on a l'intention à ne plus bouger. Et parfois, ça frôle le ridicule sur des tas de sujets et des tas de sujets de société. On a réussi à se mettre d'accord unanimement, et tant mieux, après les attentats que nous avons subis. Et c'était un grand moment de notre démocratie et de notre République. Mais parfois sur d'autres sujets, comme comment combattre le chômage, sur la juste répartition des efforts à fournir par les uns les autres, je suis convaincu que sur des sujets bien précis, ça peut être l'environnement également, ne faisons pas d'oppositions factices qui n'ont pas de sens. Parce qu'à ce moment-là, du fait de ces oppositions factices, d'appareils politiques, on n'a plus confiance dans ceux qui représentent la politique. Tout de même, sur la politique économique, vous aurez du mal à me convaincre ce soir que nous partageons les mêmes options. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai craint quand même que vous essayiez de faire croire à ceux qui nous écoutent que finalement, il n'y a pas vraiment de différence et qu'on pourrait se rassembler en matière de politique économique. De quelques sujets précis. Oui, mais pas en matière de politique économique.
économique. Et pour sortir le pays, effectivement, de l'ornière dans laquelle il est, je pense que tant que nous n'aurons pas retrouvé de la croissance, recréé de l'emploi, il n'y a aucune chance de faire diminuer le score du Front National et de redonner l'espoir à nos concitoyens. Donc là-dessus, encore une fois, moi je finis par penser qu'Emmanuel Macron, il s'est trompé de porte quand il a poussé celle du Parti Socialiste et de François Hollande. Parce que ce qu'il propose aujourd'hui... Non, il n'a pas sa place chez les Républicains, mais excusez-moi, sur certaines propositions, il serait plus proche de nous qu'il ne l'est de la vieille garde du Parti Socialiste. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, qu'ils sont dans une panade dont je ne vois pas très bien comment ils vont sortir. Et François Hollande, à mon avis, je lui souhaite bien du courage. Ou à Emmanuel Valls. On se souvient qu'on a beaucoup parlé de François Bayrou lors du dernier débat entre les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Dernier débat demain. Est-ce qu'on risque aussi de trop, peut-être, parler d'Emmanuel Macron, selon vous ? Non, j'espère qu'on n'en parlera pas du tout, parce qu'il y a des sujets très importants qui n'ont pas été traités, comme l'Europe, l'avenir de l'Europe. On pourrait revenir également sur l'éducation, parce que très peu de temps y a été consacré. Emmanuel Macron, c'est d'abord le problème de la gauche. Alors, il veut essayer de vivre hors des partis politiques. Je lui souhaite tout plaisir, parce qu'effectivement, même le général de Gaulle avait fini par créer le RPF et par créer une machine de guerre. C'est très difficile d'exister hors cadre politique. Il joue sa carte. Moi, écoutez, il a tout à fait le droit de le faire. On verra bien. C'est courageux, vous le reconnaissez ? Bon, c'est courageux, oui. Maintenant, on verra bien le résultat à l'arrivée. Hein. Germaine de Vielle, c'est courageux. Oui, mais je crois que le contexte s'y prête. Il aurait candidaté il y a 15 ou 20 ans, on aurait pu parler d'un épiphénomène, effectivement. Par contre, dans le contexte actuel, je crois que c'est une candidature qu'il faut apprécier avec beaucoup plus de sérieux, je crois, puisque les Français, bon, ont marqué leur ras-le-bol. Quand on les voit glisser vers le Front National, c'est votre faute, c'est notre faute aussi, parce que nous n'avons pas apporté les solutions aux questions que se posent les Français, aux problèmes que rencontrent les Français tous les jours. Et le jour où, comme disait Philippe Dallier, nous arriverons à retrouver la croissance et le chômage avec le plein emploi, il n'y aura plus de problème de Front National. Et tout marchera sur des rails. Donc je crois que ça, c'est la priorité absolue. Avec l'éducation, Alain Juppé l'a d'ailleurs dit, ça sera la meilleure réforme de son programme. Peut-être très rapidement le mot de la fin pour vous, François Patria. C'est une prise de risque extraordinaire de la part d'Emmanuel Macron, mais elle est en résonance. Elle est en résonance avec l'attente du peuple français. Je crois qu'elle est aujourd'hui et qu'à ce titre-là, elle mérite d'être écoutée parce que sur l'Europe, Emmanuel Macron, vous voyez, c'est pas, on est passé à côté. Il a fait une interview sur l'Europe et un dégagement sur l'Europe il y a un mois, passé d'ailleurs dans la presse belge à côté. Remarquable, personne n'en a parlé. Sa vision de l'Europe aujourd'hui, dans le souverainisme européen qu'on doit retrouver en matière de sécurité et en matière de finances aujourd'hui, il l'a dit. Il a une vision pour l'Europe extraordinaire, personne n'a repris. Mais on m'avait dit avant... Ben, il n'est pas candidat, donc on ne prend pas ses propositions. Et maintenant qu'il est candidat, on dit, ben, on attend ses propositions. Mais ça va être comme ça tout le temps. Mais ces propositions, elles vont venir. Il y aura le livre qui va venir bientôt, qui est Emmanuel Macron, ce qu'il veut, ce qu'il voit. Moi, je pense que... Allez, et puis qu'on sorte surtout des guerres classiques, Picrocolines, telles que je les ai connues, et qu'on aille à l'essentiel, c'est plutôt ce qu'attendent les gens. Et je crois qu'Emmanuel, il dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est le travail, et que les gens vivent de leur travail. Et pour ce faire, je veux libérer les énergies et protéger les plus faibles. Ça, ce message, le peuple va l'entendre. Eh bien, merci, pardon. Merci François Patria, merci Yannick Vaugrenard, merci Pierre Médevielle, merci Philippe Dallier. On en vient justement à présent aux travaux du Sénat en séance. Le Sénat qui examine depuis hier le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Retour sur les débats, les extraits préparés aujourd'hui par Alexandre Poussard. Très bien. L'économie collaborative se développe. Évolution de la société, c'est dans l'air du temps. C'est un phénomène nouveau qui se présente à nous. Et comme tout phénomène nouveau qui n'est pas encadré ou pas encore, il est ou il peut être sujet à dérive. Certaines activités, en effet par les revenus générés, relèvent plus du caractère professionnel que de pratiques occasionnelles. Et une concurrence déloyale peut s'établir ou s'établit, je pense particulièrement donc à la location de meublés de tourisme, avec des professionnels qui, eux, sont soumis aux règles habituelles et à des charges sociales. Donc, mettre un début d'ordre, ce n'est pas combattre le dispositif, un début d'encadrement de régulation dans toutes ces activités, avant que la machine ne s'emballe, qu'elle soit préjudiciable à des pans de l'économie existante, à l'économie touristique en particulier, est indispensable. Ces risques existent aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité légiférer. Cela nous paraît une juste décision que nous approuverons. Nous ne voterons pas donc les amendements de suppression de cet article et nous proposerons un amendement de modification de seuil concernant les biens meubles. Monsieur le ministre, vous avez vous-même rappelé devant nos collègues députés
que le revenu moyen généré par Airbnb en France s'élève à 300 euros par mois, soit 3600 euros par an, tandis que celui d'un chauffeur Uber Pop, avant la suspension du service le 3 juillet 2015, était de 8200 euros par an. Les revenus complémentaires tirés des plateformes collaboratives doivent être soumis à l'imposition. Mais exiger l'affiliation au régime social des travailleurs indépendants et la soumission à cotisation ces particuliers pose question. L'Assemblée nationale a retenu un critère unique d'affiliation qui est le dépassement d'un seuil de recettes établi à 23 000 euros annuels pour les locations immobilières et 7 723 euros annuels pour les locations mobilières. Pour notre part, nous aurions tendance à penser que 2 000 euros par mois sur un meublé, c'est une activité commerciale, tandis que 600 euros par mois reste un revenu de complément. Les différents amendements qui proposent soit d'unifier le seuil, soit de diminuer le seuil, à partir duquel l'affiliation au RSI deviendrait obligatoire, démontrent que derrière la difficulté de la définition des règles d'affiliation, nous sommes d'accord pour soumettre ces revenus à contribution sociale et nous nous en félicitons. Cependant, nous pensons que la priorité devrait être de soumettre à contribution les plateformes dites collaboratives avant de concerner les particuliers dont nous estimons qu'ils sont plus des salariés de ces plateformes. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous nous abstiendrons sur ces amendements et sur cet article. Mais vous avez compris, mes chers collègues, que nous sommes d'accord pour aller dans le sens quand même de ce qui est préconisé. Mais au-delà du débat sur les seuils et sur la nécessité de préciser si on est dans le revenu du patrimoine ou autre, je crois que d'une façon générale, c'est l'occasion de mettre en avant un drôle d'état d'esprit que nous avons ici en France, globalement, sur les nouvelles économies. Nous sommes là face à une économie nouvelle, l'économie numérique, l'économie collaborative. Nous devrions, comme dans tous les pays européens, plutôt accompagner, se poser des questions en matière de création d'emplois, en matière d'investissement. Et notre seule préoccupation, c'est les normes, les contraintes, les taxes, la fiscalité, les contributions. Et je crois que c'est un message assez étonnant. Et je crois que pour l'avenir, d'une façon générale, alors on va parler de justice sociale, on va parler de plein d'éléments, mais d'une façon générale, je crois qu'on a intérêt de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et l'état d'esprit général devrait être modifié si on veut que dans l'avenir, nous ayons d'autres regards sur l'économie nouvelle. Et je crois qu'il faut un peu de modernité dans tout ça. Mes collègues intervenus précédemment ont bien dit que c'était les nouvelles formes de l'économie et de l'économie collaborative. Il semble que l'on prenne très rapidement des dispositions avant même de savoir quel est réellement l'impact. Et s'il convient de lutter contre les abus, il me semble qu'effectivement, on va peut-être très vite en besogne en voulant y compris assujettir un certain nombre de personnes au RSI. Et quoi qu'on en dise, pour l'instant, le RSI n'est quand même pas le modèle de facilité et de l'assignation de la facilité. Les dispositions de cet article 10 risquent de conduire à une taxation systématique de toutes les activités. Les particuliers qui louent leurs biens deviendront, avec les seuils prévus dans cet article, des travailleurs assujettis aux cotisations sociales. Et selon mes collègues, en tout cas, qui n'habitent pas en milieu urbain mais rural, ils insistent bien sur le fait que ça va avoir des incidences importantes aussi en milieu rural. Je voudrais rappeler à Madame Procaccia qu'il ne s'agit pas de soumettre à cotisation sociale des activités qui auraient jusqu'à présent été exonérées, mais de clarifier la frontière entre revenus du patrimoine et activités professionnelles. Et on ne peut pas laisser cette économie se développer, c'est quand même ce que vous dites, actuellement ça se développe, en dehors de toute règle, ni en dehors des règles qui s'appliquent déjà à ces mêmes activités sur d'autres supports. Vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Il n'y aura pas de discussion au Sénat du projet de loi de finances. La droite sénatoriale a décidé de boycotter l'examen du budget. Une motion sera votée le 24 novembre en séance, stoppant ainsi le débat parlementaire. Une première pour marquer son opposition à un budget jugé insincère. Une rose.
rose sans épines. C'est le nouveau logo de Marine Le Pen. La présidente du FN l'a dévoilé ce matin comme son nouveau QG de campagne situé dans le 8e arrondissement de Paris. Le décryptage de notre invité Stéphane Vaniche, professeur de communication politique. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, la course pour 2017 s'accélère. Les cartes sont rebattues à gauche comme à droite. L'analyse et le débat avec mes invités dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojec et Tam Tranui, en direct du Sénat, le multiplex, c'est tout de suite. Un dernier débat pour clore la polémique sur la création du méga-fichier TESS. Après avoir été auditionné par la commission des lois du Sénat hier, Bernard Cazeneuve est venu abattre ses derniers atouts en séance pour tenter de rassurer les parlementaires. Stéphane Amalian. Après l'audition hier devant la commission des lois, deuxième passage en deux jours pour Bernard Cazeneuve devant les sénateurs. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur s'explique dans l'hémicycle sur le fichier TESS. Un débat qui était réclamé par les parlementaires après la publication du décret en catimini par le gouvernement. S'il y a des modifications apportées, nous les apporterons. La représentation nationale sera informée de ces éléments et elle pourra poursuivre le débat avec nous. Et je modifierai, si c'était nécessaire, le dispositif en fonction des recommandations qui nous sont adressées. Pour certains sénateurs, le gouvernement n'a pas suffisamment approfondi la question. Il existe actuellement des fichiers non informatiques qui centralisent les données des Français, car les menaces de piratage inquiètent. Je pense que le fichier de tous les Français, mettre tous les fichiers sur tous les Français sur un fichier informatique, c'est une menace pour les libertés, menace d'identification, menace de piratage de ce fichier. Et par conséquent, je pense qu'il faut étudier les autres solutions que propose la CNIL ou que propose le Conseil national du numérique. Dans l'hémicycle, le président de la commission des lois, Philippe Bas, a demandé au gouvernement de suspendre la création du fichier. Nous vous en parlions hier, la droite sénatoriale a décidé de ne pas examiner le projet de loi de finances. Elle juge le budget présenté par le gouvernement insincère, électoraliste et refuse d'en débattre pour montrer de manière inédite son opposition. Jordan Klein. Un budget bidon, électoraliste ou maquillé comme une voiture volée. Voilà comment la majorité sénatoriale qualifie le projet de loi de finances pour 2017. Elle compte le rejeter sans même le faire voter grâce à l'adoption d'une question préalable. Les sénateurs n'ont pas à apporter leur garantie, leur caution. Les sénateurs n'ont pas à apporter leur vote à des mesures électorales, qui sont d'ailleurs des mesures sans lendemain, puisque ce budget ne sera pas exécuté, tout le monde le sait. Donc pas de théâtre d'ombre, pas de jeu de rôle. La sincérité des convictions et des réalités. Et pour justifier leur rejet, les sénateurs de droite et du centre mettent en avant plusieurs points. L'envolée de la masse salariale de l'État, qui augmenterait de 4%. Une surestimation des dépenses, 7,4 milliards d'euros supplémentaires en 2017, d'après les élus. Et surtout, une sous-estimation du déficit. Le gouvernement table sur 2,7%. La commission des finances du Sénat est bien plus pessimiste et l'estime à 3,2%. Ce budget, c'est plutôt la haute de Noël du Parti Socialiste et du candidat Hollande ou du candidat Valls. On verra bien à l'arrivée qui est candidat. Mais que ça n'est pas un exercice qui permet au Parlement de se prononcer sur des vrais chiffres. Et que aujourd'hui, la France est à la traîne au niveau européen. Elle est à la traîne en termes de croissance, elle est à la traîne en termes de déficit. Et donc la copie du gouvernement, finalement, elle est déjà caduque. A l'inverse, la Commission européenne est plus optimiste. Elle voit la France passer en dessous de la ligne rouge des 3% de déficit public imposé par Bruxelles. Un contre-argument pour le gouvernement. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec la sénatrice LR de Seine-Maritime, Agnès Canayer. C'est à vous, Tam. Oui, Agnès Canayer, qui est rapporteure pour avis sur le projet de loi de finances 2017 pour la Commission des affaires sociales. Alors n'êtes-vous quand même pas frustrée que le projet de loi de finances ne soit finalement donc pas débattu dans l'hémicycle à votre initiative, à l'initiative de votre groupe? Est-ce que cela ne rend pas le Sénat inaudible? Non, au contraire, je pense qu'on va pouvoir marquer véritablement notre opposition à ce projet de loi de finances, qui est un projet de loi qui est insincère, qui repose sur des postulats qui sont faux et considérés comme faux par notamment le Haut Conseil aux Finances. C'est aussi un projet de loi qui est démagogique, qui cherche à faire des cadeaux fiscaux à des publics avant tout à visée électorale. Et c'est la raison pour laquelle cette question préalable, c'est vraiment le moyen pour nous de montrer notre opposition
opposition claire à ce projet de loi de finances à un moment politique fort. Une opposition claire, mais pas une opposition constructive. On se rappelle que c'était le mot d'ordre de Gérard Larcher quand il est revenu président du Sénat en 2014. Et l'idée, c'était justement de débattre de ces textes budgétaires jusqu'au bout. Oui, mais justement, depuis 2014, le Sénat a toujours voté tous les projets de loi de finances et a toujours participé de manière constructive au débat relatif au projet de loi de finances comme à l'ensemble des projets de loi proposés par le gouvernement. Cette fois-ci, la volonté a été véritablement, clairement d'afficher notre opposition parce que à chaque fois, nous avons fait des avancées, nous avons fait des propositions constructives, nous avons fait des propositions modérées, mais qui n'ont jamais été reprises par le gouvernement et qui ont toujours été balayés d'un revers de la main par l'Assemblée nationale. À gauche, on dit un budget de campagne, c'est tout de même un classique. La gauche dit qu'en 2011, le Sénat, qui avait basculé à gauche, avait d'ailleurs débattu du texte, l'avait détricoté afin de servir de laboratoire pour le gouvernement et l'alternance. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas faire cela ? Non, parce que nous le faisons aujourd'hui sur le PLFSS, qui justement... Le budget de la sécurité sociale. Le budget de la sécurité sociale qui est actuellement en discussion au Sénat. Nous le faisons dans une approche constructive, dans une approche aussi de défense de nos idées, de manière à faire part effectivement de nos propositions pour l'avenir de la France. Sur le projet de loi de finances, il nous paraissait quand même clair et nécessaire aujourd'hui de solennellement dire aux Français notre opposition à cette politique dogmatique, à cette politique démagogique qui est inscrite dans ce projet de loi de finances. Alors est-ce que cette position n'a pas également pour effet de braquer la gauche ce matin en commission des affaires sociales, les sénateurs de gauche ont refusé de prendre part au débat. Est-ce que vous comprenez leur position ? Effectivement, de manière assez systématique, l'opposition a refusé ce matin de participer au débat autour notamment des deux rapports pour avis présentés par mon collègue Barbier et moi-même sur le projet de loi de finances. Je ne comprends pas véritablement cette position puisque justement, comme il y aura une question préalable, qu'ils en étaient informés, c'était le moment d'avoir un débat, c'était le moment pour eux de défendre la politique du gouvernement, de défendre pas à pas les réformes qui sont introduites dans le projet de loi de finances. On a l'impression là plutôt que il manque de cohérence, il manque de soutien à la politique du gouvernement et que ce refus de discuter est plutôt un moyen de ne pas s'entraîner et de ne pas soutenir véritablement la politique du gouvernement telle qu'elle est inscrite dans le projet de loi de finances. Merci beaucoup Agnès Canayer d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. À présent, direction l'hémicycle du Sénat où Saveria Rejecte nous attend toujours en direct de la tribune de presse. Saveria, vous suivez pour nous les débats qui continuent autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là, contrairement au budget, eh bien, les sénateurs ont décidé de détricoter, de présenter leur propre version, notamment en ce qui concerne la droite sénatoriale. Absolument Delphine, pour la droite, pour la majorité sénatoriale, ce budget, ce PLFSS présenté par le gouvernement est un texte insincère. Le gouvernement aurait fait des jeux comptables pour arriver à ce fameux équilibre des comptes dont se targuait hier Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Alors concrètement, cet après-midi, les sénateurs examinent la partie recettes et les débats, au moment où je vous parle, tournent autour d'une mesure en particulier, l'assujettissement aux cotisations sociales des particuliers qui louent leur logement. En clair, eh bien, cela vise Airbnb. Jean-Baptiste Lemoyne pour Les Républicains a déposé un amendement de suppression de cet article 10, donc d'assujettissement d'une partie des revenus des particuliers qui louent leur logement, au motif que cela entraverait les activités, le complément de revenus de ces particuliers. Les centristes, eux, voudraient un seuil unique au-delà duquel les personnes seraient assujetties à ces cotisations sociales, un seuil unique de 15 000 euros. Et c'est précisément ce qui est discuté à l'instant où je vous parle dans l'hémicycle. Et cet amendement, donc, qui instaure un seuil unique de 15 000 euros vient tout juste d'être voté. Delphine, voilà donc pour cet examen du PLFSS par les sénateurs. Merci beaucoup Saveria et on continue nos réactions dans notre multiplex parlementaire. Tam Tranui, vous êtes Alain Richard, sénateur socialiste, ancien ministre de la Défense. Qu'a-t-il pensé du débat parlementaire autour du fichier TES aujourd'hui ? Oui, la droite demande la suspension du fichier, du méga fichier TES. Elle n'est pas la seule, hein, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure dans l'hémicycle. Avant tout pour des raisons techniques, elle craint le détournement, le piratage du fichier. Est-ce que vous comprenez ces raisons ? D'autant moins que ce fichier a été créé par la droite. En 2008, c'est ce qu'a dit Bernard Cazeneuve tout à l'heure. Mais c'est vrai.
en 2008 par décret et qu'il fonctionne depuis 8 ans. Il fonctionne avec les passeports biométriques. C'est le même fichier, donc, avec les mêmes données. C'est-à-dire sur votre passeport, vous avez aussi votre photo. Donc pour 29 millions de titulaires de passeport, ce fichier est en vigueur. Donc, je suppose que personne ne prévoit qu'on le suspende, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus délivrer de passeport aux gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est pardonnez-moi d'être direct, une fumisterie. Ce qui est vrai, c'est que ce fichier augmente encore d'ampleur, puisqu'il va comporter les cartes d'identité avec une deuxième donnée biométrique, parce que la photo est une donnée biométrique, elle est déjà dans le fichier. Il y en aura une deuxième qui sont les empreintes. Et donc, il est logique qu'on discute de précautions supplémentaires. Le débat que nous avons tenu cet après-midi, qui suit déjà beaucoup d'expressions contradictoires et de réflexions honorables et approfondies, montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de précautions qui sont prises et que le gouvernement en a annoncé une nouvelle qui, moi, me paraît vraiment convaincante, qui est de dire, c'est vrai que nous considérons ce fichier comme inviolable, mais il faut regarder ce qui se passe à l'international, il faut regarder les actions de cyberattaque qu'on observe ici et ailleurs, et donc nous demandons que la sécurité de ce fichier soit revérifiée périodiquement. Vous avez d'ailleurs axé votre intervention sur la sécurisation du fichier face aux cyberattaques tout à l'heure. Voilà, donc c'est vrai qu'un fichier que tout le monde considère inviolable sur une expérience de 8 ans, entre 2008 et 2016, ça donne quand même... Pour vous, c'est une contestation politique. Petite sécurité. Bon. Oui, mais le gag, c'est que cette contestation est cocasse de la part de responsables politiques qui ont fait ce fichier et qui ne se sont posés aucune question depuis 8 ans qu'il fonctionne. Reconnaissez-vous ? Et qui découvrent qu'il y a une question. Ah, quelle angoisse ! 8 ans après, parce qu'on va ajouter les cartes d'identité avec les mêmes données biométriques. Est-ce que vous reconnaissez tout de même quelques couacs, de nombreux couacs dans la mise en place de ce fichier ? L'absence de débat parlementaire préalable, les bisbilles entre Axel Le Maire, Bernard Cazeneuve, ce moment catimini à la Toussaint, c'est tout de même regrettable ? Non, ça, l'histoire de la date... Bon, si on nous dit qu'il ne faut plus publier de texte autrement que les jours ouvrables, ça va beaucoup réduire le journal officiel. Enfin, vous avez un peu d'expérience aussi. Vous savez que le journal officiel paraît 365 jours par an et 366 les années bissextiles. Et que l'existence de ce fichier, je rappelle, a 8 ans, et les préparatifs du basculement d'un autre fichier, qui lui existe depuis 22 ans, qui est un fichier sur papier, donc beaucoup moins sécurisé, n'avait soulevé de questions auprès de personne. J'ai d'ailleurs apprécié, avec un peu d'humour aussi, que Claude Malhuret, sénateur de la République, était saisi par l'angoisse. Je me rappelle qu'il était secrétaire d'État aux droits de l'homme quand, en 1987, le fichier papier national a été créé, avec tous les risques dont on parle aujourd'hui. Sans compter que quand un fichier papier est consulté, on n'a aucune trace de qui l'a consulté. Merci beaucoup Alain Richard. On a compris, pour vous, la contestation de la droite n'est qu'un acte politique. Merci Tam pour cette réaction. Le calendrier s'accélère dans la course à la présidentielle. Marine Le Pen fera campagne sous le slogan « Au nom du peuple » avec un logo qui risque aussi de faire parler. Une rose bleue sans épines, Quentin Calmi. T'as vu, on a laissé les épines au Parti Socialiste. C'est un symbole de la gauche, l'emblème du socialisme. Ce matin, dans son nouveau QG de campagne, Marine Le Pen a dévoilé le logo de sa campagne. La rose, symbole détourné, dévoyé quand même. De la gauche, le bleu, symbole de la droite, ben tant mieux. Voilà, tant mieux si ça doit être le symbole du rassemblement du peuple français au-dessus des vieux partis éculés, des vieux partis qui ont échoué dans les 30 dernières années.
Disparue donc la flamme bleu-blanc-rouge, elle n'apparaît nulle part dans ses 240 mètres carrés, dans le très chic 8e arrondissement. Un nouveau QG de campagne rue du Faubourg-Saint-Honoré, la même rue que l'Élysée. Alors ici, ce local de campagne, nous l'avons dénommé l'Escale. C'est le moment où on s'arrête, quelques semaines, avant de rejoindre notre destination finale. Ce matin, tous les ténors du Front National avaient fait le déplacement, l'occasion de faire la visite avec Florian Philippot. C'est le bureau de David Racheline qui est directeur de campagne. Oui, oui. Là, c'est un bureau de secrétariat, d'organisation. Et là, ce sera le bureau de Marine Le Pen. Il est surtout en mode vestiaire, là, aujourd'hui. La plupart des cadres ont découvert le nouveau logo ce matin. Ils en profitent pour disserter. La rose du Parti Socialiste s'est fanée, voilà. Et vous savez ce qu'est le fruit, comment on désigne le fruit de la rose. C'est le gratte-cul, voilà. Et c'est ce qui est resté pour les citoyens français. C'est la rose sans épiner, bon. C'est la rose dépouillée, c'est la rose en ligne, comme une épée ancestrale en quelque sorte. Hein. Seul bémol dans cette grande opération de communication, elle intervient au même moment que la déclaration de candidature de Emmanuel Macron. Il y a moins une chose qui est sûre, c'est qu'il ne va pas nous voler d'électeurs. Stéphane Vaniche, professeur en communication et politique, co-auteur du livre Marine Le Pen, prise au mot, décryptage du nouveau discours frontiste. Et notre invité, il répond aux questions de Mickaël Zames. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Stéphane Vaniche. Bonjour. Alors, c'est symbolique, mais ça compte quand même. Vous avez vu l'emblème nouveau signé Marine Le Pen, cette rose sans épines, a-t-elle précisé. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, professeur en communication politique? C'est un remake, je dirais, un peu surréaliste du ni gauche ni droite traditionnel de l'extrême droite. C'est-à-dire, on prend un symbole de la gauche, on prend la couleur symbolique de la droite, le bleu, et on dit qu'on est au-delà de la gauche et de la droite, mais en fait, c'est le thème traditionnel depuis 1930 de l'extrême droite en France, en fait. Donc, rien de nouveau. Rien de nouveau, c'est l'apparition, bien sûr, du logo, de cette façon de faire est nouvelle, mais enfin, sur le fond, ce n'est pas très nouveau. Le problème de Marine Le Pen depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'elle est la candidate du Front National. C'est-à-dire que c'est la candidate d'un parti d'extrême droite avec un vrai passé non démocratique, et les Français ne font pas confiance au Front National. Et c'est pour ça que le mot Front National n'apparaît quasiment plus. Apparaît simplement son prénom, Marine. Voilà, c'est pire que ça. C'est-à-dire que les deux mots marques du Front National, c'est Front National et Le Pen, disparaissent au profit de Marine pour justement essayer de gagner cette France apaisée, entre guillemets. Mais c'est un peu incohérent et c'est un vrai problème en communication politique parce que y a une histoire. Vous pensez vraiment que c'est incohérent, que ça ne peut pas marcher? Ça va être difficile parce qu'il y a une histoire. C'est-à-dire le Front National, maintenant, c'est plus de 30 ans de vie politique. C'était le discours de Jean-Marie Le Pen, c'est les discours de Marine Le Pen qui reprennent quand même les grands thèmes du Front National et de l'extrême droite française. Du coup, ce n'est pas parce qu'on va changer de logo, qu'on va enlever le mot Le Pen, qu'on va enlever le mot Front National, que ça va changer sur le fond quelque chose. Quelque part, elle tue le père aujourd'hui en enlevant et le logo, la flamme, et le parti, et le... C'est peut-être un peu plus que ça. Elle peut être dans un vide politique. C'est-à-dire que le problème qu'elle va avoir, c'est que le bulletin de vote, ça ne s'appellera pas Marine. Ça va s'appeler Marine Le Pen, c'est la loi. Et donc il y a quand même une espèce de petite incohérence, ce qui est rare dans la communication du Front National. Alors ça a été vrai dans la France apaisée, qui côtoyait en même temps le pouvoir aux patriotes. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de tension entre la communication traditionnelle du Front National et une communication qui soit plus moderne et plus apaisée et plus tranquille, je dirais entre guillemets, qui reprennent le code en effet des partis démocratiques. Mais il y a toujours cette tension, et la preuve c'est que Bruno Gollnisch, qui est sans doute le plus grand symbole aujourd'hui de l'ère Jean-Marie Le Pen, est toujours là. Et ça veut dire aussi que quand vous parlez de deux tensions, quand vous parlez de deux façons de voir les choses, ça veut peut-être dire qu'en interne, au sein du parti du Front National, on a aussi deux façons de voir, peut-être la tendance de Florian Philippot, dont on connaît aujourd'hui l'importance dans l'organigramme du Front National, et puis peut-être une autre tendance, celle proche de la nièce, notamment de Marine Le Pen, de Mario Maréchal Le Pen. Oui, qui est un peu dans la tradition du grand-père, et de Bruno Gollnisch, tout à fait. Ça. Alors, dans ce logo, pour l'instant, ça ne se voit pas. Dans le discours des acteurs, ça se voit très très bien. Et quand on regarde les... Ça ne va pas marcher sur ses deux jambes, en fait, si on vous entend. Ça va essayer. Je ne suis pas sûr que ça soit deux jambes, justement. C'est ça le problème. C'est le problème, c'est qu'il y a un contrat social dans toute élection. Est-ce que les gens vont avoir confiance dans Marine Le Pen en sachant qu'elle essaye de changer l'image du Front National tout en gardant
le personnel du Front National. Le fait que Bruno Gollnisch soit encore dans le, dans le système de campagne de la présidentielle montre que l'ancienne garde est toujours là et que Marine Le Pen n'a pas fait encore de choix réellement. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver des mots MOTS à Marine Le Pen, parce qu'elle est plutôt discrète en ce moment? Oui, ben elle a raison, pour deux raisons. Ah, ça, elle a raison. Ça oui, elle a raison, parce que, en fait, avec la primaire à droite, les médias sont saturés du discours des candidats de droite. Donc, vouloir intervenir en ce moment est à peu près inaudible. Et la deuxième chose, c'est les débats qui bousculent, je dirais, la société française sur l'immigration, le djihadisme, l'islamisme, etc. Ça roule pour elle en termes de thématiques. Donc, elle n'a même pas besoin de faire campagne. Elle n'a pas besoin de faire campagne pour l'instant. Et donc, sur ces mots MOTS, est-ce que vous avez vu quelque part un changement depuis peut-être son élection en 2012 à la tête de la présidente du Front? Le changement, c'était le discours, son dernier discours qui l'a présenté un peu à l'élection présidentielle. Parce que la première partie de son discours était assez traditionnelle au Front National. La deuxième partie, il y avait beaucoup de jeux et elle commençait à avoir son propre vocabulaire. Ceci dit, pour l'instant, elle s'est pas encore assez exprimée pour voir si ça va être une tendance lourde ou pas. Donc, dans votre analyse, aujourd'hui, il n'y a pas encore un changement sémantique. On n'est pas encore été dans un basculement, on va dire. Non, pas encore. Je pense qu'elle va profiter de l'élection présidentielle pour faire ce basculement. En tout cas, le premier acte symbolique, c'est le logo de la campagne, qui est là, quand même, on est plus dans le blanc rouge. C'est une drôle de campagne que fait le Front National aujourd'hui ? Avec cette cure d'abstinence médiatique, ce changement de logo ? Le cure d'abstinence médiatique, c'est pas grave, ça fonctionne. Le logo, il y a quand même des logiques nationales, c'est-à-dire quand même la base de l'électorat du Front National sont quand même nationalistes, plutôt xénophobes, la patrie en danger, le déclin de la France, enfin tous ces thèmes traditionnels de l'extrême droite sont repris à longueur de temps par les discours de Marine Le Pen, et ce logo ne résume absolument pas ça. Alors, elle devait partir sur les routes de France. Pour l'instant, on n'a pas vu de traces, en tout cas, de grands discours à travers la France. Elle devait faire un blog également, Carnet d'espérance, qui devait être le lien avec les Français. Pour l'instant, ce blog est un peu lettre morte. Qu'est-ce qui se passe? Soit elle décide de ne pas faire campagne, soit c'est une autre campagne qui se dessine. Je pense que c'est trop tôt. C'est-à-dire, pour l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'a pas de problème, ni de légitimité, ni de notoriété, c'est le mot qu'on puisse dire, elle est connue de tous. Son problème, c'est sa crédibilité. Et c'est ça, c'est là, on assiste à gérer une espèce d'opération médiatique pour être crédible comme présidente de la République. Je doute que le changement de logo suffise. Elle est depuis quelques mois, elle a compris depuis les régionales qu'il y a un mur de verre parce que les Français n'ont pas confiance dans le Front National. Et je dirais que c'est la grande différence avec Trump. J'allais vous poser la question sur Trump. Alors justement, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre Donald Trump et Marine Le Pen ? Les choses en commun, c'est le populisme, c'est le nationalisme, c'est, un discours binaire, quelque part. C'est aussi un socle électoral, c'est-à-dire c'est déclassés, la France déclassée. La France déclassée, mais les États-Unis, enfin les Américains déclassés également, qui ont le plus voté pour Trump et qui votent aujourd'hui le plus pour le Front National. Hein, c'est les délaissés, les oubliés, c'est comme ça que Marine Le Pen les appelle. La France des oubliés. Bref, les perdants de la mondialisation quelque part. Hein, Donc vous voyez quand même quelques similitudes. Il y a des similitudes. En revanche, il y a une très grande différence. C'est que Trump était le candidat d'un parti démocratique historiquement, c'est le Parti républicain américain, que Marine Le Pen est, elle peut mettre toutes les roses qu'elle veut, Marine Le Pen est la candidate du Front National, qui n'est pas historiquement un parti démocratique, et c'est le problème qu'elle a, et c'est ça qu'elle veut effacer, mais c'est la grande différence avec Trump, et je dirais, en boutade, on risque d'avoir Giuliani comme ministre des Affaires étrangères, qui est l'ancien maire de New York et quelqu'un de très respectable. Nous, on risque, si Marine Le Pen, par mégarde, entre guillemets, serait présidente de la République, on risque d'avoir Bruno Gollnisch, vous voyez, c'est le discours qu'il vient d'avoir. Vous croyez-vous que Marine Le Pen sera, quoi qu'il arrive, forcément au deuxième tour de l'élection présidentielle? Est-ce qu'on en croit aujourd'hui les hommes et femmes politiques? Oui, au deuxième tour. Alors, ce n'est pas que les hommes et femmes politiques, c'est simplement la logique électorale. C'est globalement, vous avez trois tiers, un tiers à gauche, un tiers à droite républicaine et un tiers au Front National. Aussitôt qu'il y a un des camps qui n'est pas uni, il disparaîtra au deuxième tour. Donc aujourd'hui, il y a toutes les chances qu'on ait la droite républicaine et le Front National au deuxième tour. Merci beaucoup Stéphane Baniche de nous avoir éclairé. Je rappelle le titre de votre livre, Marine Le Pen, prise au mot. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Mickaël.
Il n'y avait plus aucun doute, mais cette fois c'est officiel. Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé ce matin depuis un centre d'apprentissage de Bobigny en Seine-Saint-Denis, en banlieue pour l'ancien banquier, tout un symbole. Reportage sur place de Samia Dechir. Le lieu est symboliquement choisi. Le campus des métiers à Bobigny, en banlieue. Mais dans la salle, pas un seul étudiant n'est convié. Il y a surtout des journalistes. À force de faire durer le suspense sur sa candidature, Emmanuel Macron a réussi à attirer une foule de caméras pour capter la déclaration de l'homme qui se veut au-delà des partis. Après la gauche, la droite, et ainsi de suite, parce que on l'a toujours fait de la sorte. Avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Je suis convaincu que les uns et les autres ont tort. Sur son programme, Emmanuel Macron n'a rien dit de nouveau ce matin. Pendant une vingtaine de minutes, il a surtout martelé la valeur centrale de sa campagne, le travail. C'est par le travail que nous construisons notre place dans la société. Il n'y a pas de fatalité aujourd'hui à ce qu'un jeune qui vient d'un quartier difficile, comme celui où nous nous trouvons, ne puisse pas trouver d'emploi. Emmanuel Macron a derrière lui plus de 96 000 marcheurs, mais encore peu de soutien d'élus. Or, pour être candidat, il lui faudra réunir 500 parrainages. Il les aura. Et on se battra. Mais il les aura. Vous n'avez pas peur que les socialistes empêchent leurs élus de parrainer Emmanuel Macron ? Bien sûr. Vous savez, quand j'ai vu des consignes de parcevoir Emmanuel Macron dans certaines circonscriptions avec menace de présenter une candidature, bien sûr, ça a été fait par M. Candabadélis qui a demandé qu'il décommande d'être ici avec l'apprentissage. Mais lui, j'en voudrais pas pour être apprenti boulanger, qui reste en politique surtout. Ses lieutenants le savent, la pêche aux signatures sera difficile. Les élus socialistes devront choisir entre l'EPS et Macron au risque de perdre leur investiture aux législatives. Alors cette candidature avait aussi pour objectif de prendre Manuel Valls de vitesse au moment où le Premier ministre cherche à se poser comme alternative crédible au chef de l'État. Rien ne m'affecte, a réagi Manuel Valls qui était en déplacement ce matin à l'université de Cergy-Pontoise. Écoutez. Qui a très bien expliqué... L'exercice du pouvoir, c'est une éthique de responsabilité. C'est savoir tenir bon, c'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif. Refuser les aventures individuelles, c'est savoir résister à toutes les pressions, au fatalisme et surtout à tous ceux qui vous disent que rien n'est possible, que c'est difficile, que ça ne se fait pas ou encore qu'on ne peut rien faire de plus. Non, tout cela c'est de l'inertie et le pays ne peut pas l'accepter. Il faut de l'expérience, une expérience qui a été éprouvée par le temps. Il faut de la force. Et non pas de la légèreté. C'est ce processus quasi laborieux, ce lien avec les Français, cette projection vers l'avenir, la dispensable nécessité de traiter des questions de fond, qui fondent précisément la confiance. Et le timing de cette annonce ne doit rien au hasard. Invité surprise de la primaire, Emmanuel Macron entend damer le pion aussi bien à gauche qu'à droite. Alors avant d'en débattre avec mes invités, on voit tout de suite les enjeux avec Audrey Vuittez. Emmanuel Macron est en marche pour bousculer le jeu politique français. À gauche d'abord, sa candidature était attendue mais elle surprend par son timing, un mois avant la date limite que s'est fixée François Hollande pour se lancer ou non. L'actuel président, en perte de vitesse face à Manuel Valls ou Arnaud Montebourg dans les sondages, se retrouve pris de court par son ancien ministre de l'économie. Autant d'éléments qui pourraient le dissuader de briguer un second mandat. Aucun commentaire de la part du chef de l'État, si ce n'est cette petite phrase hier en marge de la COP22. L'enjeu, c'est le rassemblement, c'est la cohésion. Mais la gauche est divisée. Eh bien, si elle n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Plus virulent, certains élus de gauche, comme Luc Carvounas, accusent Emmanuel Macron de se présenter contre son ancien mentor. Ma vie politique, elle s'est construite sur la fidélité et sur une certaine éthique de la vie politique. Je constate simplement que M. Macron est aujourd'hui candidat, qu'il est un pur produit inventé par François Hollande et qu'il a trahi François Hollande. Mais Emmanuel Macron perturbe aussi à droite, car il incarne, d'après Bruno Le Maire, le renouveau en politique. Si nous avons partout du renouvellement et que le seul parti qui ne se renouvelle pas, c'est le parti de la droite et du centre,
Je pense que ça nous met en risque pour l'élection de 2017. Mais à quelques jours de la primaire, c'est surtout à Alain Juppé que cette candidature fait du tort. Certains de ses électeurs, du centre notamment, pourraient se laisser tenter par la solution Macron et rester chez eux dimanche, le jour du vote. Un coup dur à un moment où l'avance du maire de Bordeaux sur ses adversaires s'amenuise. Une dernière enquête Opinionway le donne même perdant face à François Fillon au second tour. Résultat, une seule stratégie ce matin, se différencier à tout prix d'Emmanuel Macron. Pour moi, M. Macron est le co-auteur de la désastreuse politique économique qui a été conduite depuis 2012. Il essaye aujourd'hui sans doute de se refaire une virginité. Une tactique qu'Alain Juppé devra adopter demain encore lors du dernier débat de la primaire. Un débat sur lequel planera sûrement l'ombre d'Emmanuel Macron. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Thomas Porcher, bonjour, vous êtes économiste, co-auteur de l'introduction inquiète à la Macron économie aux éditions Les Petits Matins. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Serge Raffi, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à l'Obs, auteur de Nicolas et les vampires aux éditions Robert Laffont qui sort cette semaine. Merci d'être avec nous. Arnaud Mercier est également sur ce plateau. Bonsoir, professeur en communication politique à l'université Panthéon Assas. Et Bruno Cotrez, bonsoir. Chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF. Première question pour vous, justement, Bruno Cotrez. On voit bien le timing de l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Il vient troubler le jeu à quelques jours du premier tour de la primaire à droite, mais aussi, eh bien, il se pose à Manuel Valls, qui, depuis quelques jours, eh bien, essayait de se présenter comme une alternative crédible à la candidature de François Hollande. Est-ce qu'il a un réel pouvoir de nuisance, selon vous, Emmanuel Macron ? Il a un pouvoir de nuisance parce que d'abord, il a fait cette annonce 4 jours avant le premier tour de la primaire. Et quand on regarde de près la sociologie de l'électorat potentiel d'Emmanuel Macron, on voit que c'est un électorat potentiel qui est un électorat du centre-gauche, mais aussi beaucoup du centre-droit. Il est proche des préoccupations des électeurs de l'UDI en particulier, encore plus que ceux du Modem. Et on voit qu'effectivement, on comprend les inquiétudes d'Alain Juppé en particulier, parce que s'il y a un candidat de la primaire de la droite qui peut redouter éventuellement cet effet, c'est bien sûr Alain Juppé. Et puis en même temps, eh bien Emmanuel Macron, il peut essayer de... Il va essayer de contrer un petit peu quand même la dynamique Manuel Valls, d'une gauche qui se définirait comme moderne, qui sait s'adapter à son époque, le créneau d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, bah, cette annonce, elle ne devait rien au hasard aujourd'hui et je trouve qu'il a particulièrement bien choisi son moment. Ouais. Alors le moment est peut-être très bien choisi, Arnaud Mercier, mais en termes, bien sûr, on analyse un peu plus de façon un peu plus approfondie, pardon, la forme de ce discours. Qu'en avez-vous pensé dans un garage à Bobigny Oui, deux choses. D'abord, un, le fait qu'il est en rupture avec l'image qu'il a essayé de donner lors de ses meetings, etc. On l'a vu très statique, très marmoréen. Je suis imprégné de l'esprit de la présidence, etc. Il avait un costume tristoun, une cravate noire et tout. Il aurait été en deuil, c'était pratiquement pareil. Et donc là, il me semble qu'il y a une petite erreur de communication au niveau de la stature. Alors évidemment, il a incarné le dynamisme en marche et tout. Là, il est très statique derrière un pupitre. Je pense que là, il y a une première erreur. La deuxième chose qui m'étonne, c'est qu'il a voulu montrer, c'est très important les déclarations de candidature, c'est souvent un moment très important de communication, parce qu'il y a une symbolique des lieux, de la manière dont on se présente. Alors, il a voulu dire, voilà, je suis dans un centre de formation, je suis à Bobigny, donc dans la province, etc. Oui, mais tout ça est effacé, ce décorum est effacé derrière un pupitre, un fond bleu, des drapeaux, etc. Il aurait mis ce décor-là dans une écurie ou au palais de l'Élysée, c'était strictement la même chose. Et là, il me semble qu'il a raté la symbolique du lieu. C'est-à-dire, après tout, pourquoi se mettre là plus qu'ailleurs, puisque rien dans sa déclaration ne rappelle le lieu. Serge Raffi, c'est vrai que c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron qui se présente comme un candidat anti-système. Alors le lieu, cette symbolique, on la voit bien, de banlieue pour l'ancien banquier. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Arnaud Mercier ? C'est un petit peu raté ce matin. Sincèrement, je ne peux pas vous répondre parce que je n'en sais rien. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va avoir un effet négatif ou positif, parce que pour beaucoup de Français, au contraire, ce caractère jupitérien, césarien même, qui pourrait se donner, n'est pas forcément un handicap. Alors c'est vrai que le mélange des genres est peut-être compliqué, mais justement, c'est ce qu'il tente de faire. C'est d'un certain côté être le candidat des start-upers, et de l'autre côté, de montrer qu'il peut être autre chose que ça. Moi, ce que je trouve passionnant dans cette histoire, et je suis assez d'accord avec vous, c'est que c'est un renardeau dans le poulailler, comme il y a longtemps qu'on en a pas vu, et ça, politiquement, ça va avoir des effets
terrible qu'on ne maîtrise pas encore. C'est vrai, on a parlé d'Alain Juppé, mais à gauche, ça va être terrible pour celui qui va se positionner dans la primaire comme le candidat du rassemblement, justement, que ça soit François Hollande, dont les chances sont quand même de plus en plus faibles, Emmanuel Valls. D'où les attaques terribles hein, et très acerbes. On a vu hein, les premières flèches tout à l'heure. Le traître. Et puis aussi avec cette responsabilité historique, peut-être bien ne pas avoir de candidat de gauche à la présidentielle en 2017. Allons un peu plus loin. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de com. Enfin, finalement, sur le fond, il est assez proche d'Alain Juppé. Et d'ailleurs, même sur la formation, finalement, puisqu'ils ont fait l'ENA. Mmh. Parce qu'il est anti-système, mais il sort des meilleures écoles. Mmh. Il a été ministre de l'économie, il a été conseiller de François Hollande, il n'est pas si anti-système que ça. Enfin, dans son discours, il a dit « je suis passé du privé à la politique », il a oublié de dire qu'il était haut fonctionnaire, qu'il a fait l'ENA, etc. Il a quand même une trajectoire qui est assez proche de celle d'Alain Juppé. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Après, le choix de Bobigny, enfin, on voit bien qu'il a une telle étiquette libérale, parce qu'il a tenu des... Enfin, si on avait eu un gouvernement de droite avec un ministre qui tiendrait les propos de Mélenchon, je pense que toute la gauche aurait été contente. Et là, c'est ce qu'on a eu à gauche. On a eu un gouvernement de gauche, pseudo-gauche, avec un ministre de l'économie qui tenait des positions très, très libérales, très à droite. Donc là, il est obligé de faire le grand écart. Donc il fait une longue interview à Mediapart, site quand même politique classé à gauche. Puis il va à Bobigny. Soi-disant, il parle à des apprentis. On n'a pas vu beaucoup d'apprentis. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont été interrogés en tous les cas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, si on leur a demandé d'évacuer quand il est venu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il fait le grand écart et tout ça, c'est de la com. Mais le fond, on le sait, c'est il faut travailler plus, c'est le modèle social n'est pas adapté à la mondialisation, les chômeurs sont fainéants. Donc finalement, c'est la pensée libérale de base qu'on entend depuis 20 ans. Oui, mais il souffle à la fois sur le chaud et le froid, peut-être, Serge Raffi, puisque c'était dans l'Obs, cette semaine, son programme. C'est peut-être pas si évident que ça. Comme là où vous avez son positionnement raison, libéral. Là, comme ça y est, il se met en première ligne et on sait que quand on passe au statut supérieur, les snipers vont commencer à flinguer gravement. Oui. Donc il faut qu'ils se préparent à ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'ai écrit un éditorial sur le site de l'Obs aujourd'hui qui s'appelle « L'éclaireur post-système ». C'est-à-dire qu'au fond, Macron, il est intéressant, non pas pour le moment, parce que c'est vrai qu'il est dans un flou, c'est Mister Flou, on ne sait pas trop sa vision politique globale, on n'en sait strictement rien. Bon, c'est vrai qu'il y a des marqueurs libéraux qui sont très clairs, mais quand même, il se positionne, il n'a jamais été vraiment dans un parti, ou alors quelques mois, et encore, c'est même pas sûr, au Parti Socialiste. C'est quelqu'un qui, justement, et c'est l'anti-apparatchik, et donc, quelque part, lui, pourquoi il est en désaccord avec François Hollande, et pourquoi il a démissionné, il ne l'a jamais vraiment dit clairement, c'est qu'au fond, le pacte de responsabilité de 2014, sur lequel s'appuyait François Hollande, donc c'est-à-dire un tournant résolument libéral de la politique économique du gouvernement, Macron pensait que ça y était, qu'il allait enfin pouvoir appliquer. La loi travail au début, c'était l'esprit, la philosophie Emmanuel Macron. Or, François Hollande, pour des raisons politiciennes, c'est-à-dire pour des raisons de réélection, d'ailleurs, regardez, il est parti après le dernier remaniement. Macron, pourquoi ? Parce que le dernier remaniement, c'était le sommet de la politicaillerie du président de la République qui a nommé des ministres pour préparer un premier tour de la primaire. Et Emmanuel Macron, dans ce jeu-là, il a dit stop. Donc moi, je pense qu'il n'a pas trahi François Mitterrand, François Hollande, mais il a été trahi quelque part par François Hollande. C'est l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il va nous permettre de reparler de ça d'une manière un peu plus approfondie. Oui, mais François Hollande a quand même trahi ses électeurs. Enfin, il a proposé quelque chose, il a fait l'inverse, justement, avec cette politique de l'offre, quand il avait dit l'offre crée sa propre demande. Donc, enfin, quelque part... Enfin, vous voyez. Il a eu peur, non, c'est pas ça, c'est que François Hollande n'est pas allé au bout de sa logique social-démocrate au départ. N'est pas été au bout de ce qu'il avait présenté en 2012 aux électeurs. Et il a fait ce tournant. Bien sûr. Un petit peu comme Mitterrand, parce que vous avez fait un lapsus avec le tournant de la rigueur, il a fait ce tournant. La même chose, en deux ans. Et il a pris Emmanuel Macron. Vous avez des similitudes historiques, 81-83. Exactement, je reviendrai rapidement 2012-2014. Pour revenir juste rapidement là-dessus, après, je suis désolé de mobiliser un petit peu la parole, mais pour revenir là-dessus. On donnera la parole à Bruno Compresse. Oui. Emmanuel Macron, il ne prend de son passage au ministère de l'économie et conseiller de François Hollande, il ne prend que les bonnes choses, que là, il s'attribue, mais toutes les mauvaises choses, il dit je n'avais pas les manettes pour le faire. Et là, il y a quand même un bilan quand on a été ministre de l'économie, parce que si c'est ce bilan, ce n'est pas le ministre de l'économie qui l'a, qui est-ce qu'il l'a ? C'est le taux de croissance et le chômage. Croissance zéro, taux de chômage, on a des centaines de milliers de chômeurs en plus. Donc ce bilan, il est là, et il doit l'assumer au moins en partie. Emmanuel Macron est aussi comptable du bilan du quinquennat de François Hollande, ça, il va le traîner comme un boulet ? Ce que je trouve, moi, passionnant dans cette affaire Macron, outre toutes les contradictions dont on vient de parler,
c'est que ça montre en creux eh bien, la difficulté pour la gauche d'aborder la question de l'ouverture, de l'internationalisation, de la globalisation, de l'intégration économique globale de la France. Et Macron, c'est ça son cheval de bataille. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point il est en position contradictoire. Il dit à la fois, il faut que la France s'adapte à la mondialisation, il faut booster, moderniser, bousculer le système. Et en même temps, il nous dit, moi je veux être le champion des outsiders, les nouveaux perdants de la mondialisation. Mais comment on peut être le défenseur des nouveaux perdants de la mondialisation et en même temps dire il faut le statut de fonctionnaire, c'est peut-être pas non plus le truc, travailler davantage, les 35 heures en fonction de l'âge que l'on a. Presque du Sarkozy. Et donc il y a une sorte de drôle de truc dans ce qu'il raconte. Qui est cette contradiction ? Mister oui. Flou a dit Serge Raffi. Oui. Il va falloir clarifier sa position, selon vous, Arnaud Mercier. Oui, c'est sûr. Sachant que le problème, effectivement, pour Emmanuel Macron, comme disait un glorieux ancêtre politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. C'est-à-dire qu'il a surfé pour beaucoup sur l'idée du diagnostic, avec cette idée que. Il répondait à des aspirations très fortes dans l'électorat français liées au fait que les petits, les sans grade, les gens ordinaires n'ont plus voix au chapitre, on les écoute pas, les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités quotidiennes. Il dit moi vous voyez, regardez, on a mis des marcheurs, ils sont venus vous démarcher, on a tout ça, bon, même si c'est après du flan et de la poudre aux yeux, mais il y a vraiment l'idée, nous sommes allés à votre rencontre. Et du coup on fait le diagnostic, mais le problème c'est qu'un diagnostic ça suffit pas. C'est-à-dire qu'à partir du diagnostic, il faut un remède. Et à mon sens, pour décaler un tout petit peu le débat, je pense que ce qui fait le succès d'Emmanuel Macron n'est pas tant le fait qu'il s'apparaîtrait plus crédible ou moins crédible sur un bilan économique, sur le chômage, sur la croissance, sur etc. Je pense que le seul créneau sur lequel il est vraiment, il assoit une partie de l'intérêt qu'il suscite dans l'électorat, c'est le fait qu'il se présente comme anti-système. Alors, bien sûr, il est énarque, il est tout ça, mais surtout, il n'est pas du sérail. Et donc, il y a pour un certain nombre d'électeurs, ils se disent, voilà, lui au moins, il est jeune, lui au moins, il n'est pas affilié à un parti depuis toujours. Une de ses chances, ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme Donald Trump de ce point de vue, il n'a jamais eu de mandat électif, il commence tout de suite par la... pas électif. Électif, il n'est jamais allé devant les électeurs. Pardon, mais finalement... Donald Trump avait le parti républicain. Non, mais j'entends bien. Le grand problème d'Emmanuel Macron, je comprends, c'est de divisions, parce que beaucoup de ses partisans... lui ont dit, il faut que tu passes par la primaire de mais la gauche. Raffi. Et là, il est quand même sans filet, si je puis dire. Et puis, je suis d'accord. Il n'y a plus Papa Hollande qui va le protéger des coups qui vont arriver. À le suivre, justement, ce candidat qui... Certains, oui, parce que justement, il n'a pas d'expérience. Ni à droite, ni à gauche, son parti derrière lui. Il suscite évidemment un désir, c'est logique. Ça, il est jeune, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Le problème, ça va être le grand rendez-vous quand on va se rapprocher de la vraie échéance. C'est-à-dire quand on va se rapprocher du moment où les Français, et lui-même l'a perçu, parce qu'il utilise le mot « protection », et c'est vrai qu'en ce moment, le grand sujet de préoccupation des Français, c'est d'être protégé. Or, peut-être que Emmanuel Macron, à cause de sa jeunesse, à cause de son inexpérience, entre guillemets, sur les grands sujets régaliens, eh bien là, peut-être que les gens auront moins confiance en lui. Thomas Porcher. Il y a quand même deux choses, moi, qui m'étonnent, c'est que, soit il y a peut-être une déconnexion, et même peut-être de nous, c'est de penser aujourd'hui qu'un antisystème, mais y compris, on peut faire un parallèle avec les États-Unis, un antisystème, c'est un milliardaire de l'immobilier, qui un héritier, et là, un antisystème, c'est un énarque, haut fonctionnaire qui est passé à la banque tout en gardant son poste de haut fonctionnaire, qui maintenant l'a arrêté pour ne pas se faire un petit peu critiquer et qui se présente, c'est ça l'antisystème, c'est ça quelqu'un qui n'est pas du sérail. C'est ce qu'il dit lui, c'est pas ce que nous pensons. Oui, voilà, je suis d'accord. Si, ça peut être ça. C'est l'antisystème relatif par rapport à des gens qui sont depuis 30 ans. Au système de parti et au système de professionnalisation de la politique. Bien sûr qu'au contraire, d'ailleurs il est en costume cravate, il se cache pas, il fait pas semblant, il est pas venu en bleu de chauffe, mais le fait est qu'il apparaît comme pour une partie de l'électorat, y compris un électorat qui en a un peu marre, c'est un nouveau visage, de la politique, un nouveau visage, de faire les choses autrement. Alors est-ce qu'il est crédible ou pas, mais au moins il fait les choses autrement. Juste auparavant, on recevait sur ce plateau Stéphane Vanisch, spécialiste du discours frontiste, qui nous disait finalement aussi ce discours de l'extrême droite, c'est ni gauche ni droite. On a vu aujourd'hui Marine Le Pen présenter son QG de campagne, son nouveau logo, une rose sans épines, on voit bien l'allusion à la gauche, bleu, on voit bien l'allusion à la droite. On a dit effectivement que la grenade Macron était dégoupillée, que ça allait certainement faire des ravages aussi bien à droite qu'à gauche, ça n'en fera pas, en revanche, chez les électeurs du Front National ? Non, parce que les électeurs du Front National sont d'abord avant tout d'une incroyable loyauté
à leur parti. Les études qu'on conduit au CEVIPOF montrent que quand on a voté Front National une fois, c'est un fort marqueur. Ceux qui se disent proches du Front National, 80-85% d'entre eux votent pour les candidats du Front National, alors que pour les autres partis, c'est 50-60%. Donc on a un électorat Front National qui, lui, est extrêmement mobilisé. Il voit que sa championne s'approche de plus en plus de l'Élysée. Ils savent, ils ont intégré qu'elle sera très probablement au deuxième tour. Donc on a un électorat du Front National qui, lui, est un électorat qui est déjà très, 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 très mobilisé à fond derrière sa candidate. Par ailleurs, l'électorat du Front National, il y a aujourd'hui une importante composante populaire, ce vote populaire qui a échappé à la gauche à un moment donné. Et Emmanuel Macron, malgré des apparences de discours anti-système, effectivement, il y a des fois des morceaux de paroles d'Emmanuel Macron qui ne sont pas si éloignés de ceux que pourrait prononcer Marine Le Pen. Mais malgré ça, il n'y a aucune chance pour que l'électorat populaire vienne massivement voter Emmanuel Macron, qui a des positions économiques qui vont à l'encontre du demande de protection des classes populaires. Il a été très dur. Il a été très dur avec les classes modestes. Enfin, autant sur tout ce qui est question de laïcité, etc. Il est plutôt à gauche, économique, il est libéral, on l'a vu. Mais il a été très dur avec les classes modestes quand il était ministre. On se souvient quand même quand il a insulté les ouvrières d'illettrés, enfin, c'est un ministre, hein, c'est pas n'importe qui, on n'est pas... Enfin, ouais. Il dit, mais on ne peut pas dire que des ouvrières sont des illettrés comme ça. Il a reconnu son erreur et s'est excusé après. Oui, mais et quand bien même, c'est un ministre, il a fait des grandes études, justement. Quand il a parlé avec ce jeune ouvrier, alors, son porte-parole d'En Marche me dit, oui, mais il lui a parlé quand même 20 minutes. Donc, et qu'après, il lui a dit, tu peux l'histoire du costard. Ouais. Enfin, 20 minutes, il n'y a pas d'excuse à avoir. Quand on est ministre de l'économie, on représente l'État français, on doit bien se tenir. Et c'est pas ce qu'il a été, il a été très dur avec les classes modestes. Et donc, c'est pour ça, je pense, que les classes modestes ne voteront pas. Sur l'affaire du ni droite ni gauche, vous avez dit effectivement que le FN, ils sont aussi sur ces postures-là. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons tactiques, c'est parce que la crise a provoqué un éclatement des systèmes, un éclatement aussi des idéologies. La mondialisation malheureuse a fait que sur l'Europe, les Français majoritairement, ils s'interrogent énormément sur le système européen tel qu'il est, sur Schengen, etc., sur l'ultralibéralisme qui en fait a été une catastrophe pour tous les pays européens. Donc toutes ces questions font qu'aujourd'hui, un Macron, s'il reste sur une posture, par exemple, pro-européenne, etc., s'il n'a pas... Je pense que le candidat de la gauche qui réussira, c'est le candidat qui, justement, pourra sortir de ses positions ultra-dominantes de l'establishment tel qu'il est aujourd'hui. C'est la question, Arnaud Mercier. On voit bien qu'il ne rentrera pas dans la primaire socialiste. Alors, cette dispersion de la gauche, on a entendu les critiques, notamment de Benoît Hamon. Vous porterez cette responsabilité historique d'avoir le Front National peut-être au second tour. Oui, bon, ça c'est de bonne guerre, c'est un argument qui depuis le 21 avril 2002 est sorti régulièrement. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon a perdu quasiment 3 points d'intention de vote dans la dernière semaine en 2012, au nom, là aussi, 10 ans après, du vote utile. Donc ça, ils vont continuer à surfer là-dessus pendant un bon moment, je pense. Ça marche plus, je crois. Je suis plus sûr que dans une partie de l'électorat populaire de gauche, ça marche plus du tout. Ça c'est très clair. Alors après... La vraie question aussi, c'est est-ce qu'il y croit vraiment pour aujourd'hui ou est-ce que c'est un coup pour... Parce que c'est quand même très différent. Si vous vous dites, je viens là pour dynamiter le système et peut-être que sa responsabilité historique, ça va être d'affaiblir durablement la gauche, peut-être pour mieux ramasser les miettes et essayer de la recomposer à sa main. Et peut-être que le calcul qu'il fait et que, j'allais dire, certains font pour lui dans ceux qui le soutiennent, c'est ça. Et que finalement, si le prix à payer, c'est de dynamiter le Parti Socialiste, tant mieux, parce que c'était l'objectif. Et c'était l'objectif de Manuel Valls. Et voilà. Il lui pique le créneau, oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Il faut jamais oublier que une carrière politique, en plus il est jeune, une carrière politique, ça se construit dans le long terme. Je veux dire, François Mitterrand, il avait fait le pari de l'union de la gauche dans les années 70, en se disant à terme ça paiera. Et quand on lui disait mais vous allez être passé sous les fourches caudines du Parti communiste, il avait dit non, on va plumer la volaille communiste. C'était une phrase célèbre. Bon. Donc là, c'est pareil. Peut-être que Macron, et il a réussi, peut-être que Macron se dit l'important c'est de dynamiter le truc et après, justement, sur le champ de ruines, on pourra reconstruire. Comment ça peut influencer une éventuelle candidature de François Hollande, cette candidature d'Emmanuel Macron, Bruno Je ne pense pas que ça influence fondamentalement. François Hollande sait qu'il a déjà une mission quasi impossible.
Donc de toute façon, la candidature d'Emmanuel Macron était déjà, je pense, largement intégrée par le Parti Socialiste, par François Hollande. Il est, lui, dans quelque chose qui est vraiment une mission impossible. Je pense que ça peut-être avoir un effet de légère accélération du calendrier de François Hollande, mais ce calendrier est proche. Il nous a dit début décembre. On sait que début décembre, il n'y aura pas eu cette inversion magique de la courbe. Et donc François Hollande, lui, il part de quelque chose qui est faire exister sa candidature au nom de la cohésion nationale, thème sur lequel il a communiqué hier depuis Marrakech. Le rassemblement. Et il va vouloir montrer qu'il est, lui, le seul point d'équilibre possible dans un monde dangereux, qu'il est le seul point d'équilibre possible entre la réalité, le réalisme économique, et puis protéger les Français, pas la droite au pouvoir, avec ses programmes libéraux. Ouais, ce qui est compliqué, pardon. Alors, Raffi, c'est vrai que le chemin était déjà très étroit pour le chef de l'État. C'est que ses propres amis, ils sont venus le voir, les gens dont il est vraiment très très proche, et qui ont été des fidèles pendant des décennies, et qui quand même vont le voir en lui déconseillant de se présenter, pas seulement pour lui, pour le danger sur sa propre histoire, mais aussi pour l'histoire de la gauche. Donc, il a une marge de manœuvre tellement faible, le trou de souris, il y a longtemps qu'il est derrière lui, il n'a pratiquement rien, et pourtant, il continue à donner tous les signaux qu'il sera candidat. On est dans une période assez, je dirais, dramatique, tragique, d'un point de vue de l'intensité du choix. Il faut souligner quand même qu'Emmanuel Macron a quand même accéléré sans doute un petit peu son annonce, notamment finalement parce qu'il a calculé qu'il valait mieux annoncer sa candidature avant celle de François Hollande. Bien sûr. Parce que s'il l'avait fait après, alors là, la traîtrise, c'était absolue. Le traître. Donc là, au moins, c'est... attendez, il peut même prendre au sérieux les incertitudes que maintient François Hollande et dire, moi, je l'ai fait parce que, voilà, c'était mon destin. Et après tout, je n'ai pas à me caler sur François Hollande. On ne sait même pas s'il est candidat. Vous voyez, il a une réponse. La transgression contre le chef en politique... En France, c'est pas toujours mal vu. Il y a un côté aussi, on l'a vu avec Sarkozy, on l'a vu avec Jacques Chirac. La trahison en politique, ça pourrait faire un prochain débat très intéressant. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est l'heure à présent de la rencontre avec un sénateur. Alors aujourd'hui, direction la Nièvre, sur les terres de Gaëtan Gorce, le sénateur socialiste, un département qui a été pilote en matière d'accueil des migrants. Visite guidée sur place avec Mounir Soucy. Gaëtan Gorce, sénateur de la Nièvre, président du pays Bourgogne-Yvernaise et conseiller municipal de la Charité-sur-Loire. Au programme aujourd'hui, visite d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile et séance d'échange sans filtre avec des réfugiés hébergés à Clamecy dans son département. Comment ça se passe ici avec la population, avec... Ils disent que c'est des femmes qui sont agréables, elles nous portent. Par contre, moi, j'ai une plainte par rapport au gouvernement. Bon, j'ai traduit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez dit, c'est la démocratie, c'est la liberté. Cela fait un an que je suis en France et je ne suis pas en mesure de parler comme il faut le français. C'est très frustrant. Auteur d'un rapport sur le défi que pose au niveau européen la crise migratoire, Gaëtan Gorce fait de la pédagogie auprès de la population et des demandeurs d'asile pour désamorcer les tensions. On est dans un département ici où beaucoup de gens vivent avec de tout petits moyens. Et donc le fait d'utiliser de l'argent pour aider des personnes qui viennent de l'étranger peut poser question pour ces personnes. C'est pour ça que c'est très modeste. C'est pour qu'il n'y ait pas de polémique. Alors c'est jamais assez, je suis bien d'accord qu'on pourrait et qu'on devrait, si on pouvait faire mieux. Ces lieux sont différents des centres d'accueil et d'orientation qui ont reçu ces derniers jours dans l'urgence les personnes vivant à Calais. Ici, les demandeurs d'asile sont déjà dans un processus d'intégration et hébergés dans des appartements individuels. Là, c'est mon lit et c'est ici que je range mes affaires, mes vêtements. Après avoir passé un mois à Paris, Sadiq vit ici depuis 3 mois. Il a quitté le Soudan et espère refaire sa vie en France. La situation dans mon pays n'est pas bonne à cause de la discrimination raciale. J'aime la France pour ses valeurs d'égalité et son histoire qui a toujours lutté contre les discriminations. À quelques kilomètres, à la Charité-sur-Loire, un autre centre d'accueil de demandeurs d'asile doit bientôt ouvrir ses portes. Tous les acteurs associatifs se retrouvent autour de la table pour évoquer le premier outil d'intégration, la maîtrise de la langue. Ils constatent la limite de leurs moyens pour l'alphabétisation.
Les gens donnent de leur temps et à partir du moment où elles ne sont pas disponibles toute la semaine pour travailler avec des personnes migrantes, eh bien il faut organiser l'intervention des uns et des autres en fonction des besoins linguistiques de ces personnes qui font appel à nous. Au fond, on ne va pas faire plus pour les demeurants d'asile qu'on ne fait pour les habitants. On ne fera pas moins. Et donc, comme évidemment ils ont un problème pour s'intégrer, ben on va les aider à s'intégrer, mais on ne fera pas plus. Le sénateur met l'accent sur le devoir de solidarité et relativise l'ampleur de l'effort national par une comparaison avec notre voisin allemand, où 440 000 demandes d'asile ont été déposées en 2015. La même année, la France en enregistrait 80 000. Gaëtan Gors, on s'est rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On vous a vu à plusieurs reprises dans ce reportage de Mounir Soucy faire un travail de pédagogie à la fois auprès de ces demandeurs d'asile, expliquer que c'était peut-être mal perçu aussi de donner plus d'argent aux réfugiés qu'aux habitants. On a encore entendu cette volonté de pédagogie. C'est très difficile de lutter contre les réticences des Français en matière d'accueil des migrants. Non, dans tous les domaines, il faut faire de la pédagogie, il faut partir des préoccupations exprimées par les gens, essayer de les comprendre et ensuite apporter les arguments. Si vous venez avec des arguments d'autorité en expliquant que c'est pas bien ou qu'il faut, que vous avez le devoir, ça peut convaincre, mais enfin, ça risque de passer à côté. Donc dans ce domaine en particulier qui est très sensible, parce qu'il y a des gens qui cherchent à exploiter les peurs, pas besoin de citer quelle partie, évidemment, se livre à ce genre d'exercice. Il faut tenter en permanence de ramener les choses à l'humain, c'est-à-dire concrètement, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, d'où ces gens viennent, pourquoi ils sont là, comment ils sont reçus. Et on voit qu'on y met de tout petits moyens, parfois même trop limités. Mais il faut savoir aussi qu'on est dans un département où la crise a frappé durement et les gens sont attentifs et pourraient être sensibles à ça. Les gens qui disent, on leur donne plus qu'à vous, ce qui n'est pas vrai. Donc il faut expliquer tout le temps et prendre le temps surtout d'expliquer après avoir écouté. Ouais. Inquiétude des habitants, aussi inquiétude des élus. On a vu au lendemain des annonces du démantèlement de la jungle de Calais. Certains élus dénonçaient une manière autoritaire de faire, des préfets estimant qu'on leur imposait finalement des migrants dans leur commune. On fait un effort, mais il est en nombre quand même très limité. J'évoquais le chiffre en Allemagne. C'est plus de 800 000 demandeurs d'asile, les réfugiés qui ont été accueillis en Allemagne l'an passé au début de cette année. Nous, on est évidemment des chiffres très, très, très inférieurs, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Donc cet effort, on doit le faire. Simplement, c'est vrai, il faut prendre le temps d'expliquer. Je reviens en permanence là-dessus. Je crois d'ailleurs que c'est la base même de la politique. J'ai tendance à dire qu'un parlementaire, c'est un curé laïque. Il est là pour essayer de faire passer un message, expliquer une sorte de pastorale dans la mission politique et parlementaire, d'être en permanence en train d'essayer de ramener les choses à un cadre dans lequel les gens peuvent l'accepter et le comprendre. Un des défis, c'est l'alphabétisation de ces personnes qui arrivent en France. Là, on a vu peut-être un constat d'échec, peut-être aussi. Alors, constat d'échec, ça prend un peu de temps et c'est vrai que les moyens sont trop limités. C'est-à-dire, selon ce que plaignait par exemple ce réfugié, enfin ce demandeur d'asile, mais qui vient du Soudan, qui a connu des choses, mais qui a déjà un assez haut niveau. Il est ingénieur agronome. Donc lui, il voudrait évidemment, il a une heure de français par semaine par des bénévoles. Compte tenu de son niveau culturel, il voudrait apprendre plus vite le français, donc il voudrait plusieurs heures par semaine avec des gens très qualifiés pour s'insérer plus vite. C'est normal, il est depuis plusieurs mois, on lui avait dit qu'il aurait sa réponse au bout de quelques semaines. Et ça fait maintenant presque un an qu'il est là, il n'a toujours pas la réponse. On peut comprendre cette forme de... Ils ont envie, les gens ont envie de s'intégrer, de s'impliquer. Les gens que j'ai rencontrés veulent tourner la page du drame qu'ils ont vécu. Et en plus, ils sont vraiment très, très désireux de s'intégrer à la société française. Vous avez entendu le message, la référence à nos valeurs. Ça m'a toujours frappé aussi, tous ceux que j'ai rencontrés, à chaque fois par des valeurs de la France. Il y a pas un décalage, justement, entre la perception que peuvent avoir, justement, ces demandeurs d'asile, la France pays des droits de l'homme, et le traitement qui leur est réservé. Et vous savez, la France pays des droits de l'homme, c'est bien, c'est il y a plus de deux siècles. Maintenant, il faut sans arrêt remettre ça sur le métier. C'est-à-dire que la France, il faut lui rappeler en permanence ses valeurs, ses principes, les mettre en œuvre. C'est un travail, je parlais de pédagogie, c'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis dans le domaine politique, juridique, humain. Il faut en permanence refaire la preuve et puis expliquer pourquoi, pour montrer que ça a du sens. Tu vois, il y a des déceptions, mais en même temps, il y a un vrai élan de générosité, il n'y a pas que des réactions rances, et il y a aussi des gens qui sont prêts à faire de vrais efforts de générosité. Oui. La réforme du droit d'asile qui a été votée l'année dernière, on se souvient de combats difficiles ici au Sénat, notamment avec la droite sénatoriale qui estimait qu'il fallait davantage raccourcir les délais, mais aussi renvoyer les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier. La loi est la loi, donc une fois qu'elle n'a pas pu apporter de solution sur place, que l'asile n'a pas été reconnu, c'est
fait normal que les personnes soient invitées à quitter le territoire. Après, il y a toute une série de situations intermédiaires, notamment lorsque les enfants... Enfin, moi, je n'interviens que lorsqu'il y a des enfants en jeu, mais je le fais, j'essaie de le faire systématiquement. Je veux d'ailleurs saluer le travail formidable que fait la CIMAD sur le terrain. On a la chance dans la Nièvre d'avoir une présidente de la CIMAD, c'est Madame Pierre Day, femme modeste, humble, mais tenace, et qui se bat pour ses familles, mais qui se bat d'abord aussi pour les enfants. Il y a des situations auxquelles, humainement, on doit répondre. Le droit ne résout pas tout. Alors, on vous a vu sur le terrain, dans votre circonscription. On sait aussi que vous êtes très actif au Sénat, notamment encore cet après-midi, sur la question du fichier TESS. Alors, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez été rassuré par les propos de Bernard Cazeneuve, à la fois auditionné hier par la Commission des lois et aujourd'hui à l'occasion du débat parlementaire? Je n'ai pas été rassuré, parce qu'il a dû prononcer les mêmes qu'hier, mais je n'ai pas participé au débat parce que j'étais interdit de parole. C'est curieux, je me suis battu le premier pour obtenir un débat. J'ai été vraiment, je crois, le premier parlementaire. C'est votre groupe, le Parti Socialiste, qui vous a interdit. Et mon groupe a considéré que mes propos étaient de nature à ne pas aider le ministre. Donc, à partir de là, je trouve ça ahurissant. J'en souris parce que je commence à m'habituer. Dès qu'on fait preuve un peu de caractère et de liberté d'esprit, manifestement, c'est mal vu. Vous êtes un fondeur au Sénat, Gaëtan Gorce? Non, je suis un rebelle au sens où je n'accepte pas les choses qu'on veut m'imposer si je ne les estime pas justes. Un socialiste, ça doit être ça. Un homme de gauche, c'est un homme de conviction et qui garde son esprit critique. Donc, je suis solidaire, je suis membre du groupe, j'ai toujours soutenu mes amis dans mon département, mais je crois que ce que nos électeurs attendent de nous, c'est qu'on porte des jugements et qu'on soit capable de les défendre, qu'on ait du caractère, quoi, qu'on ne se laisse pas faire. Je crois que j'ai du caractère, je ne sais pas si je suis un frondeur, mais parfois un mauvais caractère, mais j'ai du caractère. Plus le temps passe et plus je suis heureux d'avoir du caractère, parce que plus je vois de choses contre lesquelles me révolter. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle aujourd'hui, est un rebelle, un homme de conviction? Ce qui me plaît chez Macron, c'est justement ça, c'est cette capacité qu'il a à se rebeller. Ceci dit, je ne sais pas s'il se rebelle contre les bonnes choses ou plutôt dans la bonne direction. Je suis impatient de voir son programme. J'ai peur qu'il représente quand même une forme de gauche un peu éloignée du terrain et des gens. Je ne suis pas sûr que le programme qui est le sien serait très favorable à celles et ceux que je connais bien dans mon département. C'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que la gauche, elle doit être aux côtés des petits, des faibles, des modestes, de ceux qui ont du mal. Et si l'idée de Macron, c'est uniquement de dire il faut s'adapter mieux à la mondialisation, aller de l'avant, renforcer la métropolisation, récompenser les riches et ceux qui innovent, c'est bien, mais il y a tous les autres. Ouais. Et on doit commencer par là. Ça peut être le candidat de la gauche, selon vous, pour 2017, hein, Emmanuel Macron? Il était dans le gouvernement de François Hollande, c'est donc il avait lui-même choisi de se situer à gauche. Maintenant, la question, il fallait lui poser. Moi, je suis un peu surpris, évidemment, de son évolution. Mais elle ne me surprend pas d'un autre côté, parce que c'est tellement ce qui se passe. Vous l'avez compris, je ne suis pas en accord avec le fond de sa démarche. Mais je comprends sa démarche, parce que ce qui se passe, l'exemple que je viens de donner sur l'interdiction de parole, enfin, tout ça est tellement ahurissant, ce qui se passe dans la gauche, dans les partis traditionnels, repliés, fermés sur eux-mêmes, qu'on peut comprendre que des gens aient envie de secouer un peu le cocotier. Vous poussez à quitter le Parti Socialiste, Gaëtan Gorce? Me mettre à la marge, ça c'est déjà fait. Je suis irréductiblement socialiste. Alors si je devais quitter le Parti Socialiste, ce serait pour en fonder un autre avec d'autres. Mais je suis profondément socialiste, c'est-à-dire que c'est dans mes tripes, je suis et aussi dans le raisonnement. Donc quitter ce parti, ce qui me fait de la peine, c'est voir que ce parti l'est de moins en moins. Socialiste, je ne veux pas dire socialiste sectaire, mais qui est capable d'apporter des solutions et surtout de créer de la confiance pour les gens modestes. Moi, ce qui me fait mal depuis 2012, c'est de voir que c'est les gens modestes qui s'éloignent de nous. On ne répond pas à leurs attentes. Et ça m'est insupportable. Dernière question, très rapidement. Parmi les candidats à la primaire de la gauche, pour l'instant, est-ce qu'il y en a un qui vous séduit le plus? Oui, Montebourg, au fond, sur le fond. Alors, vous savez, on a toujours eu des rapports très difficiles avec Arnaud, mais il a au moins il a une ligne politique qui me paraît la bonne aujourd'hui. Je parle de la ligne politique. Je pense qu'il a dit les bonnes choses. Il faut faire attention à ce qu'il va dire dans les prochaines semaines. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Malgré nos différences et nos divergences. Eh bien, merci. Vous restez avec nous, Gaëtan Gorce, puisqu'on accueille tout de suite Saveria Rojec pour un portrait, pour mieux vous connaître, Gaëtan Gorce. Bonsoir Gaëtan Gorce. Bonsoir. Alors, vous êtes né dans la Nièvre, d'un père ouvrier, d'une mère commerçante. Ce sont vos parents, passionnés de politique, qui vous ont donné ce goût de la chose publique, de la politique. Ils vous ont également donné ce goût du débat. Et puis, votre père vous a transmis une autre passion, celle de la bonne chère, puisque c'est un ancien cuisinier à l'origine. Donc, la politique, la chose publique, vous fascine très jeune. Vous adhérez
au Parti Socialiste à 16 ans, après la défaite de la gauche en 1974. Vous commencez des études de droit. Ce sont vos professeurs en faculté à Clermont-Ferrand qui vous montrent la voie de Sciences Po, des concours administratifs et finalement, de l'ENA. Vous avez toujours voulu faire ça, servir l'État, la chose publique ? Non, je voulais d'abord, très jeune, je voulais être officier, je voulais faire Saint-Cyr. Puis quand j'ai vu vraiment ce que ça demandait en effort physique et en mathématiques, je me suis dit, c'est pas pour moi. Ensuite, je voulais être journaliste. Et puis après, je voulais être avocat. Et finalement, la chose publique, en revanche, ça m'inspirait. J'ai vu qu'au fond, le service public était ce qui m'inspirait, donc ça pouvait se traduire par l'engagement dans la fonction publique, l'État ou dans la politique. Pour moi, c'est la même chose. Au fond, c'est le service de l'intérêt général. Alors, l'autre phare important de votre parcours, c'est vos rapports avec François Mitterrand. Il connaissait très bien vos parents, vos grands-parents. Oui. Votre père lui a d'ailleurs servi de chauffeur dans les années 50. Oui. C'était nécessaire, il n'était pas très bon sur certaines de ses campagnes. Vous le perdez de vue ensuite, puis finalement, c'est à travers son fils Gilbert, avec qui aujourd'hui vous êtes encore amis. C'est à travers Gilbert que vous vous retrouvez. Et c'est en 1992 donc, que vous entrez au cabinet de François Mitterrand à l'Élysée. C'est lui qui vous a présenté à vous faire élire. Dans la Nièvre, oui, c'est lui qui m'a encouragé. Oui, tout à fait. Parce qu'il aimait que les jeunes et que les gens comme moi s'engagent dans la politique. Il n'avait pas envie qu'on ait des parcours trop classiques. Il détestait les parcours classiques. Donc quelqu'un qui avait mon parcours, c'est-à-dire à la fois originaire de la Nièvre, donc plutôt intéressant à modeler, et puis en même temps un haut fonctionnaire, ça l'intéressait moins. La politique, il dit ça va les faire changer, ça va les faire évoluer. Il faut que ce jeune-là se lance dans la politique. Il va prendre des coups, il va devenir plus humain. Très rapidement, Gaëtan Gorce, vous avez encore une autre passion, celle qui surpasse toutes les autres, c'est celle des livres, de la langue, de la littérature. Vous avez créé un festival, vous croyez profondément au rôle de la culture dans la société. Nous devons conclure rapidement, mais je sais que vous déclamez par cœur du Shakespeare ou même du Aragon. Bon, je vais pas vous faire... je le ferai pas là, mais parce que ça reste très personnel, je suis pas sûr que le ton soit le bon. Oui, parce que en plus, ça c'est le besoin de se replier sur soi, de revenir sur soi, de se poser un ensemble de questions, de ce qu'on appelle bêtement la vie intérieure, mais qui me paraît plus indispensable que jamais dans l'ambiance dans laquelle nous sommes. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Gaëtan Gorce. On en parlait justement. Il y a eu un débat parlementaire cet après-midi sur le fichier TESS. Retour sur la séance tout de suite. J'ai indiqué que le rapport de l'ANSSI et de l'ANENSIC serait rendu public et j'ai indiqué que le rapport de l'ANSSI serait un rapport conforme. C'est-à-dire qu'alors que nous n'y sommes pas obligés, nous nous conformerons à toutes les recommandations qui nous seront adressées de manière à être absolument irréprochable quant aux garanties que nous comprenons devoir donner aux Français pour que l'inquiétude qui s'est exprimée soit dissipée. Et voilà que ceux qui me disaient « il est très dommage que l'ANSSI et l'ADENSIC n'aient pas été sollicités pour garantir que ce que vous dites est techniquement fiable et correspond à la réalité de ce qui est techniquement possible », me disent maintenant « mais non, quel que soit l'avis de l'ADENSIC et de l'ANSSI, de toutes les façons, nous considérons, pour des raisons de positionnement, que ça n'est pas fiable, que ce n'est pas techniquement possible, et donc que même si l'ANSSI et l'ADENSIC vous donnent des avis auxquels vous vous conformerez, ça ne suffira pas ». Sur la question de la vulnérabilité informatique d'un tel fichier, nous pouvons affirmer que nous partageons l'opinion du ministre Urvoas, pas son positionnement actuel, mais celui de 2012, lorsqu'il était vent debout contre le fichier des honnêtes gens. Il nous disait qu'aucun système informatique n'est impénétrable et que toutes les bases de données peuvent être piratées, que ce n'est toujours qu'une question de temps. Je ne pense pas me tromper en disant qu'il ne me semble pas que dans ce laps de temps de 5 ans qui nous sépare de la dernière mandature, les recherches sur les technologies de l'information et de la communication ont permis de trouver le moyen de rendre un système informatique infaillible. Monsieur le ministre, la rhétorique que vous maniez d'ailleurs avec grand aise, j'en conviens, depuis quelques jours, afin de nous persuader qu'il s'agit d'un décret purement technique, de simplification des procédures, ne nous convainc pas. On ne peut dénier la réalité. Vous êtes en train de construire un méga fichier digne du monde d'Orwell. Nous demandons le retrait de ce décret qui, autant sur le fond que sur la forme, constitue un véritable déni de valeur démocratique et une atteinte profonde aux droits des citoyens de notre pays. Et je veux joindre ma voix à la plupart d'entre vous, chers collègues, qui avez réclamé la suspension de ce décret. Monsieur le ministre, depuis la décision du Conseil constitutionnel en 2012, c'est peu dire que le gouvernement, avant de se précipiter dans la dernière ligne droite, a laissé passer beaucoup de temps. Que ce travail, qui a certainement eu lieu de votre part,
n'a pas reçu beaucoup de publicité. C'est peu dire que la concertation n'a pas été au rendez-vous pour préparer la décision que vous avez prise. Il est encore temps, en suspendant ce décret, de tester de manière approfondie toutes les fonctionnalités de votre fichier, d'évaluer sa résistance aux agressions, de consulter des experts qui ne seront pas seulement les experts des agences gouvernementales, de confronter les points de vue de ces experts, de rendre public ce dialogue des experts, et enfin d'explorer davantage, peut-être et sans doute pour les récuser, on ne peut pas le dire à l'avance, les alternatives. Je suis très sensible, pour ma part, à ce qui nous a été dit, même si c'est un système moins performant pour lutter contre la fraude, sur l'utilisation possible sans fichier centralisé d'une carte à puce, la puce contenant les éléments biométriques qui sont nécessaires à l'authentification de l'identité des personnes. Mais pourriez-vous me dire ce qu'il faut que je fasse pour être agréable ? Je suis prêt à accéder à tous les arguments possibles, parce que je ne sais pas si vous avez bien saisi mon état d'esprit, mais mon état d'esprit, c'est d'être totalement transparent, de faire dans le respect rigoureux du droit, non seulement de ne toucher aucune liberté publique, mais de les renforcer. Et je comprends, monsieur le sénateur Hervé, il est parti, que lorsque nous procédons comme en 2008, avec les mêmes remarques que la CNIL, en 2008, il n'y a pas de débat, j'en fais un, je viens devant le Conseil, la Commission des lois, je viens du Sénat, de l'Assemblée nationale, je viens en séance publique, je reviendrai aussi longtemps que ce sera nécessaire. Quand le débat est organisé à la demande du gouvernement, parce qu'il sait qu'il sent qu'il y a des interrogations et qu'il faut y répondre, le gouvernement recule, et lorsqu'il n'organise pas de débat, il est psychorigide. Donc c'est pareil, je vous demande franchement ce qu'il faut faire face à un sujet qui implique de la rationalité, de la précision, de la bonne foi partagée, pour être agréable à ceux qui nous interpellent. Parce que ça me rappelle, je ne veux faire de peine à personne, ce que l'on appelait les procès de Moscou. Quelle que soit la réponse, quelle que soit la réponse qu'on apporte à la question, on est condamné, on a tort. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.